Très bien. On peut commencer, je pense. Mesdames et messieurs, reportons-nous un instant, si vous le voulez bien, au 9 décembre 1948, au Palais de Chaillot, à Paris. La Seconde Guerre mondiale est encore dans les esprits et chacun en conserve les cicatrices. La guerre froide se dessine et le monde se divise en deux blocs. C'est dans ce climat de nouvelles tensions qu'Eleanor Roosevelt, présidente de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, prend la parole devant les délégations des 58 États qui composent alors l'Assemblée générale. En donnant notre approbation à la déclaration aujourd'hui, dit-elle, il est primordial que nous gardions à l'esprit le caractère fondamental de ce document. Ce n'est pas un traité, ce n'est pas un accord international. Il s'agit d'une déclaration des principes fondamentaux des droits de l'homme et des libertés qui doit être approuvée par un vote formel des membres de l'Assemblée générale et servir comme un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Le lendemain, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une déclaration, c'est-à-dire ni une loi, ni une convention, mais une proclamation douée d'une action à la fois plus haute et plus lointaine, pour reprendre les termes de son rédacteur, le français René Cassin, rapporteur de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme, et qui sera le deuxième président de la Cour européenne des droits de l'homme de 1965 à 68, portant ainsi sur la Cour de Strasbourg le souffle qui avait traversé le palais de Chaillot. C'est lui qui a œuvré pour que, à l'internationalité initialement prévue, soit substituée l'universalité, afin de mieux marquer que la déclaration transcende les nations pour atteindre l'homme même dans son individualité. En adoptant ce texte, l'Assemblée générale des Nations unies l'a proclamé dans son préambule comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, lui conférant ainsi une portée historique sans précédent. Universelle, la déclaration est également devenue intemporelle et son rayonnement n'a pas été altéré par le temps. Bien au contraire, le 10 décembre, anniversaire de l'adoption de ce texte, traduit dans plus de 500 langues, a été consacré Journée des droits de l'homme à travers le monde. Comme un écho à Nuremberg, qui donnait naissance à la justice pénale internationale, la déclaration grave dans le marbre les droits fondamentaux partagés par la communauté humaine. C'est pourquoi, après avoir célébré les 70 ans de Nuremberg par l'organisation d'un colloque en ces lieux le 30 septembre 2016, la Cour de cassation se devait de marquer également les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si René Cassin souhaitait que la déclaration, qui a, je cite, « une très grande valeur morale », soit un guide pour la politique des gouvernements, un phare pour l'espoir des peuples, une plateforme pour l'action des associations nationales ou internationales de caractère civique, son adoption, nous le savons bien, hélas, n'a pas mis fin aux exactions, aux guerres, aux discriminations et autres violations en tout genre des droits de l'homme à travers le monde. Aussi, depuis 70 ans, des juridictions spécialement dédiées pour juger les crimes contre l'humanité ont été créées,
le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en 1993, le tribunal pénal international pour le Rwanda en 1994, puis en 1998, il y a 20 ans, la Cour pénale internationale, compétente en matière de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, elle continue son œuvre, malgré les obstacles et embûches en grand nombre qui accompagnent son essor. Parallèlement, les 30 articles de la Déclaration universelle ont constitué le creuset de textes internationaux et régionaux qui ont apporté une valeur juridique contraignante aux principes qu'elle a posés. Deux pactes internationaux des Nations Unies ont ainsi complété en 1966 la Déclaration afin de constituer la Charte internationale des droits de l'homme, le premier relatif aux droits civils et politiques et le second aux droits économiques, sociaux et culturels. Parallèlement, les principes posés ont encore trouvé une nouvelle portée juridique par l'adoption au niveau régional de textes ayant force contraignante. Ainsi en est-il, bien sûr, au premier chef de la Convention européenne des droits de l'homme adoptée en 1950, qui s'inscrit dans son préambule directement dans le prolongement, je cite, de la Déclaration universelle proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, qui tente à assurer la reconnaissance et l'application universelle et effective des droits qui y sont énoncés. Les principes édictés par la Déclaration universelle ont également été repris sur d'autres continents. Certains sont accompagnés de la création d'une cour chargée de les appliquer, comme la Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Organisation de l'Unité africaine adoptée en 1980. Dans ce sillage, on peut encore signaler la Charte arabe des droits de l'homme de 2004 et la Déclaration asiatique des droits de l'homme de 2012. Malgré ces adaptations régionales, les textes adoptés partagent les nombreux principes posés par la Déclaration, qui, comme le précise l'article 2, sont non seulement universel mais également indivisible. Chacun peut se prévaloir, dit ce texte, de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration. Néanmoins, en France, le Conseil d'État comme la Cour de cassation considèrent que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas de force contraignante directe en droit français. Mais ces principes s'imposent dès lors qu'ils sont repris par la Convention européenne des droits de l'homme qui, elle, s'inscrit dans l'ordre juridique interne. Aussi, par exemple, lorsque la Chambre commerciale, dans un arrêt du 26 mai 1998, se fonde sur l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui pose que toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, elle associe ce texte à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprend le même principe en termes équivalents. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Il se dessine donc bien, à travers les dispositions de la Déclaration de 1948, une conception universelle de la justice et des principes qui en découlent. Au premier rang figure bien sûr le principe d'indépendance de la justice qui implique l'indépendance de la magistrature.
Rappelons en effet qu'au terme de sa résolution du 13 décembre 1985, l'Assemblée générale des Nations unies, toujours elle, déclare accueillir avec satisfaction les principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, que le 7e Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants a adopté à l'unanimité et invite les gouvernements à les respecter et à en tenir compte dans le cadre de leur législation et pratiques nationales. La sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu se trouve ainsi directement associée à l'indépendance de la justice et à son corollaire, la séparation clairement définie des pouvoirs, qui apparaît donc comme un pilier de l'état de droit voulu par la Déclaration. Comme le soulignait le Premier ministre français, M. Lionel Jospin, le 8 décembre 1998, à l'occasion des célébrations du 50e anniversaire de la Déclaration universelle, l'état de droit, je cite, « c'est la soumission de l'État à la loi et la garantie par l'État du respect de cette loi. Il appartient en particulier à l'État de rendre la justice plus indépendante. » On ne peut mieux souligner que cette indépendance de la justice est au cœur de l'état de droit et qu'un État ne saurait prétendre assurer efficacement la garantie des droits de l'homme s'il ne garantit pas l'indépendance de la magistrature, c'est-à-dire une authentique séparation des pouvoirs. C'est pourquoi la Cour de cassation a inscrit désormais cette exigence en tête des conventions de coopération qu'elle se propose de conclure avec les cours suprêmes étrangères. Mais pour tout rapporter à l'essentiel, n'oublions pas les premiers mots du préambule de la Déclaration universelle. La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Là est le cœur, là est le sens des débats de cet après-midi. Le service de tout homme et de toute femme, de sa liberté, de son progrès, de sa dignité à travers le monde. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, marquée par tant d'atrocités, la communauté internationale a éprouvé le besoin impérieux d'ériger les droits de l'homme au rang d'une valeur universelle. En créant l'Organisation des Nations Unies, elle s'est donnée pour mission de garantir la paix et d'empêcher que les crimes passés ne se reproduisent. L'article 1er de la Charte des Nations Unies affirme ces objectifs, au nombre desquels figurent le maintien de la paix et la réalisation de la coopération internationale, en encourageant, je cite, « le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales par tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. » C'est donc imposé, après la Charte des Nations Unies, la rédaction d'un texte uniquement consacré à ces droits fondamentaux. Ce texte dont nous célébrons aujourd'hui, un petit peu en avance, le 70e anniversaire, est donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée à Paris le 10 décembre 1948, et dont René Cassin,
prix Nobel de la paix, fut un des artisans majeurs. À cet instant précis, est-il inutile de rappeler la conviction qu'exprimait René Cassin, affirmant « Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. » Il n'est donc pas anodin, certes avec un peu d'avance, je viens de le dire, de célébrer cet anniversaire ici, à Paris. L'attachement de la France à la protection des droits de l'homme est bien entendu fort et ancien. Il trouve ses racines, ses fondations dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, bien entendu. Elle-même, inspirée par l'idéal universaliste des Lumières, mais il puise aussi ses racines dans des traditions encore plus lointaines, tel l'humanisme de la Renaissance. Si l'affirmation et la garantie effective des droits de l'homme occupent ainsi une place centrale dans la tradition philosophique et juridique de notre pays et irriguent désormais la communauté internationale, l'actualité nous rappelle, hélas, combien dans le monde il faut conserver cet esprit de mobilisation sans relâche pour les droits de l'homme. Toutefois, ce triste constat ne doit pas ternir l'éclat des progrès réalisés et dont l'adoption de la Déclaration de 1948 est, sans conteste, un jalon incontournable. Pierre angulaire de la proclamation des droits fondamentaux à l'échelle mondiale, elle constitue le socle, nous le savons, d'un processus normatif international en constante expansion visant à garantir les droits de la personne humaine de façon toujours plus spécifique. La singularité de cette déclaration universelle repose sur son caractère à la fois universel, bien sûr, mais consacrant pour la première fois l'homme en tant que sujet autonome de droit international. Ne négligeons pas ce progrès déterminant, car la dissociation opérée entre homme et État témoigne de l'avènement de droits supranationaux intangibles, et ce, indépendamment de toute immixtion étatique. Comme le confiait Kofi Annan, comme vous le savez, le 7e secrétaire général des Nations Unies, et je le cite, « Ces droits n'appartiennent à aucun gouvernement, ils ne se limitent à aucun continent, car ils sont inhérents à l'humanité elle-même. » À ces droits civils et politiques, dits de première génération, il convient de rappeler que la Déclaration de 1948 adosse des droits économiques et sociaux dont l'effectivité est cette fois subordonnée à l'intervention des pouvoirs publics. Bien qu'adoptée sous forme de résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Déclaration universelle n'en est pas moins, cela a été dit, dépourvue de valeur juridique contraignante. Elle jouit cependant d'une force morale universelle considérable en tant que norme coutumière, définissant de pair avec la Charte des Nations Unies un modèle commun rappelé par la Déclaration de Vienne du 25 juin 1993. Elle demeure surtout une source incontournable qui a irrigué les textes internationaux, régionaux et nationaux subséquents. La portée de la Déclaration dépasse en effet certainement le cadre symbolique, puisque plusieurs constitutions nationales, à l'image de l'Espagne et du Portugal, se réfèrent expressément à celle-ci. De même, mais de façon indirecte, la quasi-totalité des droits figurant en son sein ont été repris
par les pactes internationaux du 16 décembre 1966, disposant quant à eux d'une valeur juridique contraignante à l'égard des parties co-contractantes. Prise ensemble, la déclaration de 1948 et les pactes précités forment la Charte internationale des droits de l'homme, corpus reprenant de manière exhaustive les droits fondamentaux de la personne humaine. Il est intéressant de préciser que les pactes de 1966 ont eu une incidence indirecte sur les conventions régionales, telles, et cela vient d'être dit par le premier président, la Convention américaine des droits de l'homme ou encore la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dont les préambules font expressément référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par ailleurs, est-ce utile de le rappeler, si l'Europe a adopté la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales antérieurement à la rédaction de ces deux pactes onusiens, il est indéniable que la déclaration de 1948 y a eu une influence majeure. En dépit du dynamisme conventionnel ainsi insufflé, la protection effective des droits de l'homme reste une problématique centrale de la société contemporaine. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont sensiblement identiques. Assurer partout et pour tous une protection contre les fléaux que sont la guerre, la dictature, la pauvreté et l'intolérance. L'essor technologique et numérique nous offre des moyens nouveaux de lutter contre ces infamies. Il nous amène également à envisager les droits de l'homme sous l'angle de questions jusqu'alors inédites. Les notions de vie privée et de droit à l'environnement seront peut-être prochainement réévaluées. Pour l'heure, il nous appartient de répondre aux défis primaires, ceux qui ont guidé le Comité des droits de l'homme dans la rédaction de la Déclaration universelle. Ainsi, il nous faut aujourd'hui fédérer la communauté internationale afin d'éviter une marginalisation, çà et là, de la défense universelle de ces droits fondamentaux. En conclusion, j'aimerais, à l'occasion de ce 70e anniversaire, souligner l'esprit intemporel de la Déclaration et de ses valeurs. L'universalité prônée doit s'ériger plus que jamais en rempart contre le terrorisme, les discriminations raciales et géographiques, les sévices sexuels ou encore les répressions idéologiques et religieuses. Si le rayonnement de la Déclaration universelle des droits de l'homme s'arrête aux frontières de certains États, nous devons tous œuvrer, de concert avec les institutions compétentes, à étendre sa portée universelle et la portée universelle qu'attendent tant de femmes et d'hommes dans le monde, et bannir tout fatalisme dans le constat de violations réitérées qui émaillent nos actualités. C'est dans cet esprit fédérateur que je vous souhaite à tous et à toutes un excellent colloque. Je vous remercie. Bien, c'est le président Pirer qui va animer les débats qui vont suivre maintenant.
Maxime ici. Bien, nous voilà en place, même s'ils viennent de se retirer, les exigences de la courtoisie et du protocole m'appellent à dire en premier lieu, Monsieur le Premier Président et Monsieur le Procureur Général, mes chers collègues, mesdames et messieurs, il me revient, après ces propos introductifs très denses, vous l'avez mesuré, de lancer les débats de notre après-midi. Avant de présenter les intervenants, comme de règle, et avec beaucoup de plaisir, je me propose en quelques minutes, car ayons-le à l'esprit, notre temps est compté, et pour servir de simple entrée en matière, pas davantage, de relever, parmi les nombreuses interrogations que suscite à vue rétrospective la formation, la place, la portée, et la postérité, je crois que c'est le mot convenu, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les quelques modestes interrogations que voici. J'en ai retenu quatre et je forme le vœu que dans le cadre, sinon des interventions, du moins des échanges qui y feront suite, nous puissions glaner dans ceci ou dans cela tels ou tels éléments de réponse à ces questions qui ne m'ont pas semblé vaines. La première d'entre elles est celle-ci. Les influences que l'on sait dans l'histoire, pour partie contradictoires, qui ont pesé sur les rédacteurs de la Déclaration universelle. En bref, lecture libérale des droits de l'homme versus critique marxiste de l'individualisme bourgeois. Ces influences dont l'opposition s'est, on le sait, exacerbée en cette veillée d'armes de guerre froide que sont les années de son élaboration, ces influences ont-elles entaché ou réduit l'unité de vue et d'expression du texte adopté le 10 décembre 1948 en promouvant ce que d'aucuns ont pu appeler, je cite, « un universalisme de compromis ». Deuxième question en vrac, si on tolère cette expression. Dans la postérité, pardon de le répéter, à laquelle devaient être appelés les droits de l'homme dans ce qui se revendique désormais, très souvent du moins, pas universellement, comme le corpus d'un droit international des droits de l'homme, quelles sont, à bien y regarder, les parts respectives attribuable à la Déclaration universelle d'une part, aux pactes internationaux relatifs respectivement aux droits civils et politiques, le PIDCP, et relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le PIDESC, du 16 décembre 1966, d'autre part. En d'autres termes, ces pactes, ces deux pactes, ont-ils alimenté, enrichi la Déclaration universelle de l'apport d'autres peuples que ceux pétris de la tradition philosophique et politique occidentale ou ont-ils opéré, fût-ce à bas bruit, un changement de paradigme? Troisième question, est-il justifié ou au contraire inexact, injuste, de parler d'une moindre influence
de la Déclaration universelle qui, par simple hypothèse, se serait manifestée au cours de ces deux dernières décennies en particulier et qu'illustrerait les références moins nombreuses ou absentes qui seraient faites dans les textes internationaux adoptés au cours de la période considérée. Différemment, dans cette même idée, continue-t-elle ? Cette déclaration universelle a joué un rôle d'impulsion dont M. Boutros-Boutros-Ghali semblait déplorer l'atténuation, sinon l'absence, dans son discours liminaire prononcé à la conférence de Vienne sur les droits de l'homme de 1993. Quatrième et dernière question, dans l'évolution complexe, pour le moins, objet, on le sait, de beaucoup de polémiques, qui de 1987 à 2012 à grands traits, voit se succéder les concepts de droit international public, de devoir d'ingérence, puis de droit d'ingérence, enfin de responsabilité de protéger, pour emprunter au triptyque désormais bien connu, popularisé en particulier par M. Mario Bettati. Quelle part a pu en vérité jouer l'inspiration tirée de la Déclaration universelle dans son esprit, à défaut de sa lettre. Mais, il est temps désormais de vous présenter les intervenants et les thèmes auxquels ils ont choisi de se confronter. Monsieur Patrick Vachmann est professeur de droit public à l'Université de Strasbourg. Il est également directeur adjoint de l'Institut de recherche Carré de Marlberg. Il est encore déontologue de la ville de Strasbourg depuis novembre 2014, ai-je noté. Délégué thématique Cour européenne des droits de l'homme du Défenseur des droits et spécialiste connu, reconnu pour ses travaux en matière de liberté publique et de droits de l'homme. Il nous livrera, s'il le veut bien, dans un instant une présentation historique de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Madame Cécile Aptel est conseillère principale au Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Elle est chef de l'équipe initiale du mécanisme d'enquête internationale impartial et indépendant sur les crimes les plus graves commis en Syrie. Elle est par ailleurs professeure invitée à la Fletcher School of Law and Diplomacy. Elle est également l'auteur de nombreuses publications intéressant en particulier la justice pénale internationale. Elle s'intéressera pour nous et avec nous, si elle le veut bien, aux incidences internationales de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'issue de ces deux communications, nous nous donnerons un temps de débat, d'échange avec vous, avec la salle. Aux alentours de 16 heures, mais il faudra nous y tenir. Inscrivant désormais le périmètre de nos réflexions dans le champ hexagonal, nous aborderons à deux voix les incidences en droit français de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La première de ces voix sera celle de Mme Karine Gilbert, chef du Bureau de l'expertise et des questions institutionnelles à la Délégation aux affaires européennes et internationales, la DAEI, de notre ministère, du ministère de la Justice. Madame Karine Gilbert est également la correspondante pour la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, en abrégé la CEPEJ. Et à l'intention de celles et ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers de cette commission, je rappelle qu'elle est l'organe unique pour les 47 États membres du Conseil de l'Europe, composé d'experts qualifiés de ces derniers États membres et chargé, cette commission, d'évaluer l'efficacité des systèmes judiciaires et de proposer des mesures et des outils concrets pour améliorer l'efficacité du service au bénéfice du public. Elle est en outre, Madame Karine Gilbert, professeure invitée en légistique, dont elle est une spécialiste, à l'Université Paris II, Panthéon Assas. La seconde des voix, et je la vois, la seconde des voix évoquées est celle bien connue en ces murs, de Madame le bâtonnier Marie-Aimée Perron, laquelle est depuis le début de l'année 2018 bâtonnière en exercice du barreau de Paris.
Paris, rien de moins, après avoir exercé, je crois, mais je parle sous son contrôle, le mandat de secrétaire général du Conseil national des barreaux. Enfin, ce colloque anniversaire s'achèvera par les propos conclusifs de M. Richard Narich. M. Richard Narich a effectué une carrière diplomatique, qu'il a notamment conduit à occuper les fonctions de ministre conseiller à Londres et à Athènes, de consul général à Chicago et d'ambassadeur au Nicaragua et au Paraguay. Par la suite, il a fait bénéficier de ses compétences de très grandes entreprises privées. Il est désormais président de société et il s'est spécialisé dans les questions de sécurité. Enseignant à Sciences Po, il est, et c'est à ce titre plus particulièrement qu'il intervient à ce colloque, secrétaire général de l'Association française pour les Nations Unies, en abrégé la AFNU, cette association reconnue d'utilité publique dont le siège est à Paris, insistons-y, se donne pour mission, en substance, de promouvoir les Nations Unies et le multilatéralisme, d'informer les Français sur l'actualité des Nations Unies, ainsi que d'être un lieu de réflexion et de débat sur les Nations Unies et leur action. Enfin, nous nous efforcerons de clôturer cette demi-journée à l'intense programme, vous venez de le mesurer, aux alentours de 17h30. Je passe donc la parole, s'il le veut bien, désormais au professeur Patrick Vachmann. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord dire l'honneur que je ressens aujourd'hui de prendre la parole pour ce 70e anniversaire de la Déclaration universelle et de le faire dans cette enceinte prestigieuse. Je vais moi aussi citer d'abord Eleanor Roosevelt, lorsqu'elle présentait à l'Assemblée générale des Nations Unies le projet qui avait été élaboré sous sa direction. Elle déclarait « Nous nous trouvons aujourd'hui au seuil d'un grand événement, à la fois dans la vie des Nations Unies et dans celle de l'humanité. Cette Déclaration universelle des droits de l'homme pourrait bien devenir la grande charte pour tous les hommes, où qu'ils se trouvent. Nous espérons que sa proclamation par l'Assemblée générale sera un événement comparable à la proclamation par le peuple français de la Déclaration des droits de l'homme en 1789, à l'adoption du Bill of Rights par le peuple des États-Unis et celle de déclarations comparables à diverses époques dans différents pays. » Ces propos me paraissent bien situer la portée de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout d'abord, et en premier lieu, il situe le texte de la Déclaration dans la continuité des proclamations constitutionnelles ou préconstitutionnelles, 1789 en France, des droits. Avec évidemment cette différence fondamentale qu'il ne s'agit plus ici d'un peuple qui décide de fonder la vie nationale sur des valeurs qu'un texte énonce et qui comporte une priorité de principe donnée à l'individu sur le groupe auquel il appartient, mais qu'il s'agit ici d'un document international à portée universelle, c'est-à-dire qui vaut pour l'humanité entière, indépendamment du statut des hommes et des femmes qui en sont les bénéficiaires par rapport à l'ordre politique, c'est-à-dire qu'ils soient citoyens d'un État national, d'un État plurinational, placés sous domination coloniale ou encore à un statut d'occupation, c'était encore le cas à l'époque de la Déclaration de l'Allemagne. Peu importe donc l'appartenance étatique des individus en question, les droits qui leur sont conférés par la Déclaration sont des droits qui sont invocables par eux indépendamment de ce statut par rapport à l'État. Le texte ainsi se situe dans le prolongement des proclamations constitutionnelles des droits, en cela qu'il vise à investir les êtres humains, chaque être humain en tant que tel, de droits qui ne sont pas à la disposition du pouvoir politique, mais qui, au contraire, s'impose au pouvoir politique. Qu'il ait fallu énoncer ces droits au niveau international, à un niveau littéralement supranational, au sens non polémique, mais si je puis dire topologique du terme, procède précisément du passé immédiat qui a précédé la Déclaration,
Il est bien connu, il a été rappelé déjà. Ce sont bien sûr les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et en particulier les atrocités dont le régime hitlérien et ses complices s'étaient rendus coupables. Les institutions libérales, en effet, avaient échoué, hélas, à assurer la garantie des droits qu'elles promettaient. On a vu successivement en Italie dans les années 20, en Allemagne à partir de 1933, en Espagne à la fin des années 30, en France même en 1940, s'effondrer les garanties du libéralisme politique. Ces garanties que le constitutionnalisme voulait précisément construire dans l'espoir d'éviter la remise en cause des valeurs individuelles et individualistes. Aucun obstacle efficace n'a pu être opposé à la barbarie et à l'avènement de régimes autoritaires puis totalitaires par les textes constitutionnels. L'espoir alors est né qu'une proclamation internationale des droits serait plus efficace, notamment parce qu'elle ne serait pas manipulable unilatéralement par les États, mais qu'au contraire, elle surplomberait véritablement ceux-ci et par conséquent s'imposerait aux appareils étatiques. La deuxième indication que l'on peut tirer de ce texte, c'est précisément qu'il promeut une dimension nouvelle dans l'ordre international, cela a déjà été dit, cela avait été esquissé, mais seulement esquissé et très partiellement déjà en 1919, dans le sillage du traité de Versailles. C'est cette conviction qu'on ne peut pas fonder la paix internationale sans assurer le respect des droits de l'homme. La Charte des Nations Unies non seulement veut établir cette fois-ci efficacement, à l'inverse de ce qu'avait échoué à faire la Société des Nations, la paix mondiale, mais elle considère d'emblée qu'elle ne pourra mener cette tâche qu'à la condition de promouvoir le respect des droits de chaque être humain. Benjamin Constant, déjà dans son livre « De l'esprit de conquête et de l'usurpation », avait montré ce lien entre le despotisme, celui de Napoléon Ier en l'espèce, et la recherche d'aventures internationales qui, évidemment, perturbent par définition la paix. En effet, ce type de régime, évidemment, trouve dans la guerre une manière de distraire les citoyens, si j'ose dire, de l'oppression dont ils font l'objet dans leur propre pays. En 1919, déjà, la création de l'Organisation internationale du travail, c'est la partie 12 du traité de Versailles, contenait ces mots « attendu que la Société des Nations a pour but d'établir la paix universelle et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelle sont mises en danger. » C'est déjà, bien sûr, le langage de la Déclaration. À cette différence que, successivement, dans le droit international, sont apparues des références au sentiment d'humanité, traité de Londres de 1827, par lequel la Grande-Bretagne, la France et la Russie décide très tardivement d'ailleurs d'intervenir en Grèce pour essayer de sauver ce qui restait des communautés chrétiennes persécutées par l'Empire ottoman. Également, 1919, Versailles déjà, la référence à la protection, je cite, « des intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion ». Autrement dit, la protection des minorités, Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Trianon, etc. Mais ici, il s'agit désormais des droits de l'homme, expression qui n'avait jamais telle qu'elle été utilisée dans un texte international, qu'il fût déclaration ou traité. Comment en est-on venu à choisir ces termes, droits de l'homme? L'espoir d'une paix durable après la victoire des Alliés a été précisément dès le début soutenu par l'idée qu'il fallait désormais s'attacher aussi à sauvegarder les droits fondamentaux de la personne humaine.
Dès 1941, au cours des premiers débats sur la Charte de l'Atlantique, lors de la conférence interalliée du 24 septembre 1941, le professeur Cassin, dont on aura l'occasion évidemment de reparler, déclare au nom du général de Gaulle, je cite, que les Français considèrent aussi comme nécessaire à l'établissement d'une paix véritable la consécration pratique des libertés essentielles de l'homme. Cette même année, 1941, à la veille de l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique aux côtés des Alliés, le président Roosevelt déclare qu'il s'agit de lutter pour ce qui passera dans l'histoire pour les quatre grandes libertés de Roosevelt. Liberté d'expression, liberté de croire Dieu selon sa volonté, et selon sa conception de ce qu'implique cette croyance, liberté d'être délivré du besoin et liberté d'être délivré de la peur. Écho immédiat à ces quatre libertés dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'avènement d'un monde, dit le préambule, où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère. En quelques mots, nous retrouvons les quatre libertés que Roosevelt avait inscrites au cœur des buts de guerre, comme on ne disait déjà plus, des puissances alliées. Lors de la conférence de Dumbarton Oaks, qui prépare l'élaboration de la charte, en 1945, qui réunit les trois puissances alliées principales, c'est-à-dire l'Union soviétique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, on discute des termes dans lesquels devra être pensée la future organisation mondiale. Roosevelt demande que soit incluse une référence aux droits de l'homme. Opposition immédiate de l'Union soviétique qui craint des ingérences par ce biais dans la politique intérieure de la Russie soviétique. Et puis finalement, Staline accepte, à la très grande surprise de Roosevelt, l'inclusion d'une mention des droits de l'homme à l'issue de la conférence de Dumbarton Oaks. Pourquoi il s'agit d'un échange, comme souvent en matière diplomatique, d'un troc, si je puis dire. Les puissances occidentales, je ne sais pas exprimer en ces termes, bien entendu, mais enfin ça revenait à cet équilibre-là. Les puissances occidentales renoncent à ce que les délibérations du Conseil de sécurité ne puisse pas comporter le veto de la puissance intéressée. Staline veut qu'en toute hypothèse, y compris lorsque l'un des futurs cinq grands sera concerné, cette puissance conserve le droit de veto. Roosevelt cède sur ce point. Bonne manière diplomatique, en échange, il y aura les mots « droit de l'homme ». Et puis, le président Roosevelt meurt. Quelques jours avant la conférence de San Francisco, d'où naîtra la Charte des Nations Unies. Charte qui est proclamée par nous, peuple des Nations Unies. Écho, évidemment, à la célèbre formule de la Déclaration d'indépendance américaine, « We the people ». Nous, peuple des Nations Unies, la résolution de préserver la paix est évidemment indiquée, mais immédiatement après, celle de proclamer à nouveau, je cite, « notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes. » Article 1er de la Déclaration, « Buts et principes des Nations Unies », on y trouve le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion. Le mouvement, donc, est lancé. Il y a une internationalisation des droits de l'homme. Il restait, évidemment, à préciser ce que l'on entendait par ces droits de l'homme. La notion est évidemment vague à la mesure de la diversité des conceptions, notamment philosophiques, du droit naturel, y compris du droit naturel moderne. Il faut donc définir, et la Commission des droits de l'homme, nommée ainsi par la Charte, grâce notamment à une intervention des organisations non gouvernementales auprès du secrétaire général, du secrétaire d'État américain de l'époque, Stettinius,
La Commission des droits de l'homme va être immédiatement chargée de préciser quels sont ces droits de l'homme dont parle la Charte, et elle le fera sous la présidence de la veuve du président Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Le président Truman, qui a succédé à Roosevelt d'une manière très impromptue et sans y avoir été du tout préparé, indique dès la conférence de San Francisco qu'il faudra élaborer un International Bill of Rights, une déclaration internationale des droits. Commence alors le processus d'élaboration de ce texte, marqué par une époque où l'accord entre les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale cède très vite la place à une rivalité, puis à une guerre, si je puis dire, de plus en plus froide. C'est un des mérites de Mme Roosevelt, qui en a beaucoup, que d'avoir compris qu'il fallait faire aboutir très vite le texte de la déclaration, car après il serait trop tard. Car après, les antagonismes entre les États-Unis et l'Union soviétique seraient tels que tout accord sur un texte quelconque deviendrait impossible. On peut ici citer Saint John Perse, et vous aviez si peu de temps pour naître à cet instant. Madame Roosevelt préside donc, elle était connue pour son indépendance d'esprit, journaliste, elle avait tenu à conserver son franc-parler, ce que son mari, le président Roosevelt, lui avait accordé avec un sourire en lui disant « Personne ne croira jamais que je sois à même de t'influencer d'une manière quelconque ». Elle était connue également pour son engagement pour les droits des femmes, en quoi elle était très précurseur, bien sûr, sa lutte contre la discrimination raciale et sa préoccupation du sort des déshérités. Les autres membres de la commission sont moins connus, sinon en France, en tout cas, un nom, bien sûr, celui déjà prononcé de René Cassin. Il faut néanmoins insister sur le fait que, contrairement à ce que suggèrent les uns ou les autres, notamment dans notre pays, la déclaration est bien une œuvre collective, ce qui d'ailleurs devrait rassurer quant à son caractère véritablement universel, précisément. Il y a des protagonistes multiples, et non pas un seul père de la déclaration, qui serait, comme par hasard, un Français, René Cassin. René Cassin a joué un rôle, j'y reviendrai tout de suite, mais il n'a pas été le seul. Il faut mentionner d'abord un Canadien anglophone, John Humphrey, qui était à la tête de la Direction des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies et qui assurera immédiatement le secrétariat général de la Commission lors de son travail rédactionnel. Il écrira, si je puis dire, le premier jet de la Déclaration universelle des droits de l'homme sous la forme d'une synthèse en 48 articles précédée d'un préambule de ce qu'est comparativement en 1945 je dirais, la pratique des États dans la garantie des libertés fondamentales. Le préambule, rédigé par Humphrey, porte notamment « Il ne peut y avoir de paix si les droits de l'homme et les libertés ne sont pas respectés ». C'est la thématique même, on l'a vu, des Nations Unies. Et c'est également, bien sûr, ce qu'il y a derrière le texte, c'est-à-dire cette volonté d'asseoir une paix authentique sur la justice, laquelle passe par la consécration des droits des individus partout dans le monde. Il y a René Cassin qui a, à partir du travail fait par Humphrey, réécrit très largement le texte, qui lui a donné une cohérence, une élégance également de formulation. On peut dire que l'œuvre de René Cassin réside au moins dans deux choses. D'abord, on l'a souligné déjà dans l'intitulé même du texte, Déclaration universelle des droits de l'homme et non pas Déclaration internationale des droits de l'homme. C'est important notamment parce que cela met l'accent davantage sur la vocation universelle du texte que sur son analyse formelle du point de vue juridique, universelle donc au lieu d'internationale. Par ailleurs, Cassin y a démontré son talent de rédacteur,
son talent français de synthèse, tandis que les anglo-saxons, on le sait, préfèrent procéder par énumération. Cassin a su mettre de la dynamique dans le texte et dans ses différentes articulations. Il a, si j'ose dire, mis en musique le texte de la Déclaration, ce qui n'est pas rien, mais il n'a pas été le seul. Le 17 juin 1947, devant la Commission des droits de l'homme, Madame Roosevelt déclare ceci, qui me paraît très significatif. « Nous en venons à présent au projet de M. Cassin, lequel est lui-même fondé sur le projet comparatif élaboré par le secrétariat. » La déclaration porte donc la marque de Humphrey, celle de René Cassin, mais celle aussi du chinois Peng Shuangchang, lettré qui connaissait particulièrement bien et la tradition confucéenne et la pensée occidentale du fait de ses études aux États-Unis. Entre parenthèses, il avait pu bénéficier d'une bourse qui provenait des fonds que la Chine avait dû payer aux puissances occidentales à la suite de la guerre des Boxers. Les puissances occidentales ont imposé de lourds paiements à la Chine. Les États-Unis ont été les seuls à consacrer une partie des sommes obtenues à une excellente cause, donc, à savoir financer des bourses au profit d'étudiants chinois. Et Chen Shuangchang a donc bénéficié de cela. Il faut également citer le Libanais Charles Malik, philosophe de formation, formé en Allemagne, devenu diplomate, un peu malgré lui d'ailleurs, par devoir, très largement. Également l'Indienne Hansa Mehta, qui a notamment tenu à ce que les droits des femmes soient, que l'égalité entre hommes et femmes soit explicitement indiquée dans le texte de la Déclaration, et quelques autres, le Philippin Carlos Romulo, quelques Sud-Américains, plusieurs représentants aussi de l'Union soviétique qui se sont succédés à un rythme assez rapide pour chercher à donner plus de punch, si je puis dire, à la présence soviétique au sein de cette instance. Il faut remarquer d'ailleurs une singularité qui est le rôle extrêmement effacé du Royaume-Uni. Le délégué du Royaume-Uni d'abord a été tout simplement en deçà de ce que la tâche requérait. Il y a une note, je me fonde sur l'excellent ouvrage de Mary Ann Glendon sur l'élaboration de la déclaration « A World Made New », c'est-à-dire un nouveau monde à créer. Madame Glendon se fonde notamment sur une note du Foreign Office dans laquelle il est dit, avec une extrême brutalité d'ailleurs, que le premier délégué britannique à la Commission n'est pas à la hauteur et qu'il faut le remplacer d'urgence, ce qui fut finalement fait, mais à un moment où le Royaume-Uni ne s'intéressait plus à la Déclaration universelle et mettait au contraire l'accent sur la rédaction d'un texte conventionnel, donc obligatoire pour les partis, et ensuite, de préférence, un texte régional plutôt qu'un texte universel. Il faut également mentionner, pour le respect de la chronologie, que le 2 mai 1948 est adopté dans le cadre de l'Organisation des États américains la Déclaration américaine des droits de l'homme, des droits, pardon, et des devoirs de l'homme, mais la rédaction de la Déclaration universelle était déjà bien entamée et a suivi ensuite sa logique propre, celle d'une synthèse de toutes les traditions juridiques existantes selon les mots de Charles Malik. Le mérite essentiel de la Déclaration universelle des droits de l'homme, outre son universalité, bien sûr, qui n'appartient par définition qu'à elle, a été finalement de réunir dans un corpus unique les droits civils et politiques d'une part, les droits que l'on appellera économiques, sociaux et culturels d'autre part. Il s'agit ici de lever cette opposition, et la déclaration y a réussi, cette opposition entre la conception dite occidentale des droits de l'homme, les droits contre l'État, et la conception dite soviétique ou autres adjectifs, selon laquelle ce qui compte avant tout, c'est d'assurer le bien-être matériel de la personne humaine. Et donc l'État, ici, doit fournir les prestations nécessaires à cette fin.
Ce n'est qu'à Vienne, en 1993, une fois la guerre froide terminée, que la Conférence mondiale des Nations unies réaffirmera que tous les droits de l'homme sont universels, interdépendants et intimement liés. En 1948, hommage que le vice rend à la vertu, hypocrisie, c'est la définition de l'hypocrisie selon La Rochefoucauld, il n'y a pas d'opposition en réalité manifestée publiquement aux droits civils et politiques. Les délégués de l'Union soviétique elle-même et de ses satellites, Ukraine, Biélorussie, etc., ne s'opposent pas de front aux articles sur les droits civils et politiques. Il y a non seulement unanimité, mais unanimité sans abstention. À l'inverse du texte final de la déclaration, qui est adopté à l'unanimité, mais avec 8 abstentions, l'Union soviétique et ses satellites de l'époque, l'Arabie saoudite, qui était hostile à la fois à la liberté de changer de religion et à l'idée d'égalité des époux dans le mariage, à l'inverse des autres pays musulmans, dont le Pakistan, qui ne voit pas de problème à cette époque là-dedans. Et puis, il y a l'Afrique du Sud, qui s'apprêtait à faire entrer l'apartheid dans sa loi, si je puis dire, et donc qui, évidemment, n'était pas spécialement favorable à l'idée d'égalité telle que la déclaration la promouvait. Le résultat en question, à savoir une adoption unanime, ça a été une heureuse surprise pour Mme Roosevelt elle-même, qui craignait que l'Union soviétique vote contre le texte, est dû en particulier à l'habileté de la présidence de Mme Roosevelt, qui a su donner la parole à chaque tendance qui voulait s'exprimer, tout en sachant, le cas échéant, couper court à la discussion lorsqu'elle estimait qu'elle risquait de compromettre l'adoption en temps utile de la déclaration. Charles Malik déclarait que l'adoption du texte à l'unanimité avait été quelque chose comme un miracle. Bien entendu, le fait, déjà souligné lui aussi, que la déclaration était dépourvue de valeur contraignante pour les États, a joué. La déclaration universelle n'est pas invocable devant un juge quelconque, ni national, sauf exception, j'y reviendrai tout de suite, ni international. Sa force n'est pas là. Elle est une source du droit au sens littéral du terme. Elle est là derrière toute une série de solutions que le juge adopte partout dans le monde au quotidien. Là encore, j'aimerais citer Saint John Perse pour dire vite ce dont il s'agit. Et le soleil n'est point nommé, mais sa puissance est parmi nous. Cela se manifeste dans l'œuvre rédactionnelle de conventions au niveau universel, au niveau des Nations Unies. Cela se manifeste par les réalisations régionales en matière de droits de l'homme, ça a déjà été évoqué. Je rappelle que le préambule de la Convention européenne des droits de l'homme définit le texte comme constituant, je cite, « les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle ». Reprise enfin de la Déclaration universelle, en tout cas des principes qu'elle promeut, dans de nombreuses constitutions nationales, avec parfois même une référence des constitutions nationales à la Déclaration. Article 10 de la Constitution du Royaume d'Espagne de 1978, 30 ans après la Déclaration. Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes thèmes ratifiés par l'Espagne. Comme le dit Mme Glendon, la Déclaration a donc diffusé dans le réseau sanguin de l'ensemble des systèmes juridiques. On peut dire que les juristes du monde entier font au quotidien utilisation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire des principes qui sont les siens, de la même manière que M. Jourdain, sans le savoir, faisait de la prose. Le soft power que Mme Roosevelt souhaitait voir s'exprimer à travers le texte de la Déclaration
a donc fonctionné, si je puis dire, comme la déclaration de 89 en France, la déclaration universelle des droits de l'homme est devenue l'un des textes les plus visionnaires et les plus bienfaisants de l'histoire de l'humanité. Ce faisant, on peut dire, bien sûr, qu'il a comblé les vœux de ses rédacteurs, voici presque 70 ans de cela, au Palais de Chaillot, à Paris. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur. Merci. Madame Abtel, si elle le veut bien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour m'avoir invité à participer à ce colloque. Je suis particulièrement honorée d'être ici et de m'exprimer devant vous. La Déclaration universelle des droits de l'homme est le premier texte à portée universelle consacrant la reconnaissance des droits de l'homme pour tous, au-delà de la citoyenneté et de toutes les autres différences entre êtres humains. Avant elle, les différentes déclarations édictant ces droits, dont évidemment la Déclaration de l'homme et du citoyen de 1789, tendaient toutes à créer un diptyque homme et citoyen. Près de 160 ans plus tard, lorsque la Déclaration de 1948 est adoptée sous l'égide de la toute nouvelle Organisation des Nations Unies, elle n'associe ou ne limite aucunement les droits de l'homme aux seuls citoyens d'un État ou à un territoire spécifique. Sa portée universelle est non seulement assumée dans son titre même, elle est aussi clairement revendiquée tout au long de son préambule, ainsi que de ses 30 articles, énonçant les droits essentiels et les libertés fondamentales auxquelles peuvent prétendre sans discrimination tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants du monde. Elle est donc fondamentalement pensée comme un texte international dès sa conception, et intimement liée à l'organisation internationale naissante qu'est alors l'Organisation des Nations Unies. Elle a d'ailleurs été décrite comme une des plus grandes œuvres des Nations Unies par son ancien secrétaire général, Kofi Annan. La déclaration est aussi internationale parce que rédigée par un groupe de grands juristes et de penseurs exceptionnels venus de toutes les régions du monde, comme vient de nous le rappeler le professeur Vachman. Sous la présidence de Madame Roosevelt, c'est bien un comité de rédaction international qui crée et écrit ce texte. Lorsqu'on évoque les incidences internationales de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il me semble important de rappeler d'abord qu'elle a donné le coup d'envoi au développement de tout un corpus de droit international des droits de l'homme, avant de présenter succinctement comment elle est aussi le socle sur lequel se sont construits nombre de mécanismes internationaux onusiens cherchant à assurer le respect et la protection de ce corpus. Tout d'abord, voyons comment la Déclaration universelle, qui est indissociable de son contexte historique, est la source des nombreux traités internationaux des droits de l'homme adoptés durant les dernières 7 décennies. Pour comprendre comment la Déclaration a amorcé ce processus, il faut rappeler le contexte international dans lequel elle est adoptée en 1948. C'est d'abord, et à nouveau, une période exceptionnelle marquée par la création de l'ONU. Comme il l'a été dit, la Charte des Nations Unies fait explicitement référence aux droits de l'homme, et ce, dès son article 1, qui envisage de développer et d'encourager, je cite, « le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Dans la Charte de l'ONU, les droits de l'homme sont considérés comme une condition à la paix et à la sécurité internationale. L'article 55C prévoit aussi que la coopération internationale fondée sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes doit s'articuler, entre autres, autour du, et je cite, « autour du respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous » sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. La Déclaration universelle vient s'insérer dans ce contexte, explicitant ce que sont ces droits de l'homme évoqués, mais non définis, dans la Charte de l'ONU. Son article 1er est audacieux, claironnant que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ».
alors même qu'en 1948, le monde sort à peine de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah, et que nombreux sont encore les peuples vivant sous le joug du colonialisme. S'y ajoute qu'en 1948, peu nombreuses sont les femmes qui sont égales en droit. Ne pensons qu'au seul droit de vote, pour illustrer cette réalité. Il s'agit donc clairement, dès l'article 1, d'une déclaration ambitieuse qui édicte de nombreux droits en les fixant comme des objectifs à obtenir, portés par l'élan d'espoir de cette après-guerre et des promesses du plus jamais ça. La déclaration consacre tant des libertés positives comme celle du mouvement envisagé, comme celle de la liberté de mouvement envisagée à l'article 13, que des négatives, telles le droit de ne pas être soumis à l'esclavage ou à la torture. La déclaration énonce des droits civils et politiques, comme la liberté de réunion et d'association pacifique, et des droits sociaux et économiques, tels celui au travail. Tous ces droits sont considérés comme étant intrinsèques à la nature humaine et donc accordés à tous les êtres humains sans exception et dès leur naissance. Il est important de noter de nouveau que ces droits sont aussi interdépendants, indivisibles et imprescriptibles. Pour reprendre les termes de René Cassin, la déclaration est une proclamation douée d'une action à la fois plus haute et plus lointaine, comme l'avait indiqué d'ailleurs le premier président de la Cour. Elle marque un changement fondamental dans la conception même de l'homme, avec un grand H, compris comme incluant tous les êtres humains. Ces droits s'élèvent au statut de droits de l'homme, non pas parce qu'ils sont énoncés dans un texte, mais parce qu'ils sont intrinsèquement liés à la nature humaine et en raison de l'humanité des êtres humains. Ils abrogent tous les clivages, la religion, l'appartenance sociale, l'origine ethnique, etc. Comme l'affirmait encore René Cassin, le terme « universel » exprime que chaque être humain était membre d'une société mondiale et pas seulement sujet de son État, faisant ainsi de l'homme un sujet autonome de droit international, comme il était mentionné auparavant. En ce sens, la déclaration est véritablement révolutionnaire. Je pense qu'il n'est pas excessif de la qualifier de révolutionnaire. Elle marque le point de départ d'une nouvelle dynamique des droits de l'homme. Le professeur Emmanuel Decaux, à qui je souhaite rendre un hommage ici, a qualifié à juste titre la déclaration universelle de « tronc commun » de tous les développements internationaux dans le domaine des droits humains depuis 1948. Le préambule même de la Déclaration universelle invite clairement des développements successifs, soulignant, et je cite, « qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Ce régime de droit va être progressivement mis en place dans les décennies qui suivent 1948. » Et c'est donc bien ainsi la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a inspiré l'ensemble du corpus juridique du droit international des droits de l'homme, c'est-à-dire pas moins de 80 traités et déclarations, tous adoptés durant ces dernières 7 décennies. Les premiers de ces traités sont les 2 pactes internationaux adoptés en 1966 que nous avons déjà évoqués. Après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme, le principal organisme intergouvernemental relatif aux droits de l'homme au sein des Nations unies, s'est en effet employée à convertir les principes édictés dans la Déclaration universelle, de les convertir en traités internationaux protégeant des droits précis. Étant donné le caractère inédit de cette tâche, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de rédiger 2 pactes correspondant aux 2 types de droits énoncés dans la Déclaration universelle ou aux 2 générations de droits énoncés dans la Déclaration universelle, d'une part les droits civils et politiques et d'autre part les droits économiques, sociaux et culturels. Les États membres de l'ONU ont débattu longuement des diverses dispositions pendant 2 décennies, cherchant à entériner explicitement certains aspects de l'universalité des droits de l'homme qui n'étaient mentionnés qu'à titre implicite dans la Déclaration universelle, comme par exemple le droit des peuples à l'autodétermination, ainsi que la mention de certains groupes vulnérables, comme les peuples autochtones ou les minorités. Un consensus a été atteint en 1966 et l'Assemblée générale de l'ONU a alors adopté, la même année,
le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les préambules et les articles 1, 2, 3 et 5 de ces deux pactes sont quasiment identiques. Les deux préambules proclament que les droits de l'homme proviennent de la dignité inhérente aux êtres humains, faisant ainsi référence à la Déclaration universelle. L'empreinte de la Déclaration universelle sur ces nouveaux instruments juridiques, ces deux pactes, se retrouve d'une part parce que certaines dispositions de la Déclaration sont directement reprises dans certains articles de ces pactes. C'est le cas, par exemple, de l'article 12 de la Déclaration universelle, qui vise le respect du droit à la vie privée et est quasi transposé dans l'article 17 du pacte sur les droits civils et politiques. De même, l'article 22 de la Déclaration universelle, énonçant le droit à une sécurité sociale, est réaffirmé à l'article 9 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais en plus de ces transpositions, les deux pactes de 1966 développent et complètent les droits consacrés par la Déclaration universelle. Ils les réaffirment, mais aussi les élargissent. La symbiose entre la Déclaration universelle et les pactes est telle qu'on les considère aujourd'hui ensemble comme formant la Charte internationale des droits de l'homme. Au-delà des pactes de 1966, au fil du temps, la Déclaration universelle a formé d'autres métastases. Chacun des 9 principaux traités internationaux en matière de droits de l'homme fait explicitement référence dans son préambule à la Déclaration universelle, qu'il s'agisse de la Convention contre la torture ou de la Convention pour les droits de l'enfant, pour ne prendre que 2 exemples. La Déclaration universelle a donc ainsi essaimé le contenu du droit international des droits de l'homme ayant été étoffé soit par le renforcement des normes relatives à un thème particulier, telle la torture ou les disparitions forcées, soit par le renforcement de la protection internationale accordée à un groupe spécifique, tels les enfants ou les femmes ou encore les travailleurs migrants. Le droit international des droits de l'homme cherche alors à ce que tous soient également protégés, sans toutefois remettre en question l'universalité des droits de l'homme. Aussi, certains droits ont été précisés. Les droits des femmes, par l'adoption de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1979. Les droits de l'enfant, par l'adoption de la Convention sur les droits de l'enfant en 1989. Les droits des travailleurs migrants, avec l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en 1990. Mais qu'en est-il de l'acceptation de tous ces traités par les États du monde ? Eh bien, je pense qu'elle est excellente. Aujourd'hui, chacun des membres de l'Organisation des Nations Unies, chaque État, a ratifié au moins l'un des 9 principaux traités internationaux en matière des droits de l'homme. Et pas moins de 80% des États membres de l'Organisation des Nations Unies, donc quasiment le globe entier, 80% de ces États en ont ratifié 4, voire plus. Par ce processus de ratification, les États souscrivent aux normes édictées dans les traités internationaux, eux-mêmes faisant référence à la Déclaration universelle. Et les États s'engagent alors à incorporer ces normes dans leur législation nationale lorsque ces normes ne sont pas directement applicables ou exécutoires. Les États s'engagent à mettre ainsi l'ensemble de leur droit national en conformité avec ces traités internationaux. Les organes institués par les traités relatifs aux droits de l'homme, sur lesquels je vais revenir dans un tout petit moment, ont souligné les obligations qui incombent aux États parties à ces traités. Par exemple, dans son observation générale numéro 9, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU a rappelé que la principale obligation qui incombe aux États parties au regard du pacte sur les droits socio-économiques est de donner effet aux droits qui y sont reconnus en exigeant des gouvernements qu'ils s'en acquittent, et je cite, « par tous les moyens appropriés, y compris, en particulier, l'adoption de mesures législatives. » Il est extrêmement important, je crois, de souligner que, en plus d'avoir été répété, relayé et étoffé par les différents traités, les dispositions de la Déclaration universelle, en tout cas la plupart d'entre elles, sont aujourd'hui considérées comme faisant partie du droit international coutumier et forment ainsi le cœur du droit international des droits de l'homme.
Si la déclaration constitue donc bien le socle sur lequel est bâti le corpus de droit international des droits de l'homme, elle a aussi, en parallèle, inspiré la mise en place de nombreux mécanismes internationaux, sous égide onusienne, ces entités cherchant à assurer le respect et la protection des droits de l'homme. La Déclaration universelle a sous-tendu le développement d'institutions onusiennes servant de base au système de protection des droits de l'homme des Nations Unies, et je vais en mentionner quatre brièvement, les organes des traités, le Haut Commissariat des Nations Unies de l'ONU, le Conseil des droits de l'homme et l'examen périodique universel. S'agissant d'abord des organes de traités, ce sont des organes qui sont prévus par chacun des traités en matière de droit international des droits de l'homme. Et ils ont une double fonction. D'une part, ils sont chargés de surveiller le respect des obligations conventionnelles des États ou par les États à travers l'examen périodique des rapports qui sont présentés par les États parties. Dans les observations finales aux rapports présentés par les États parties, la Déclaration universelle des droits de l'homme fait partie du corpus qui est utilisé pour mesurer les efforts entrepris pour mettre en œuvre le traité spécifique. D'autre part, les organes de traité, en tout cas 8 des 9 organes de traité, peuvent aussi recevoir directement des pétitions individuelles auxquelles ils peuvent, ou par lesquelles ils peuvent constater une violation ou formuler des recommandations générales qui sont alors adressées à l'État concerné. À cela s'ajoutent des compétences spécifiques à certains de ces organes de traité, certains de ces comités. 5 organes de traité peuvent mener des enquêtes s'ils reçoivent des informations fondées, faisant état de violations graves ou systématiques de l'instrument du traité dans un des États parties, pour autant que l'État partie ait accepté la compétence d'enquête du comité. Ainsi, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a adopté en 1993 une procédure d'alerte rapide et d'intervention urgente de sa propre initiative ou sur la base de renseignements communiqués par des tiers. Cette procédure, qui vise à prévenir les violations graves du traité, peut aussi prendre la forme d'une communication adressée aux autres organes onusiens des droits de l'homme. Ainsi, chaque organe conventionnel fait connaître son interprétation des dispositions de l'instrument en vertu duquel il a été créé et aussi en élaborant des observations générales. Pour ces organes de traité, la Déclaration universelle sert de texte standard, de référence, pour soutenir leur analyse, très souvent. Pour évoquer brièvement un deuxième mécanisme onusien, je mentionnerai le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, créé en 1994 par l'Assemblée générale de l'ONU. Il est directement marqué du sceau de la Déclaration universelle, puisque la résolution 48-141 qu'il a établie fait explicitement référence, là encore, à la Déclaration universelle. Le Haut Commissariat, pour lequel je travaille, est chargé d'assurer les fonctions de secrétariat pour tous les différents mécanismes onusiens en matière de droits de l'homme, dont les organes de traité que je viens d'évoquer. Le Haut Commissaire, nommé par le secrétaire général et dont la candidature est en même temps aussi directement appuyée et soutenue par l'Assemblée générale, ce haut commissaire est chargé de promouvoir et protéger la jouissance effective par tous de tous les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. Un troisième organe, là aussi directement lié à la Déclaration universelle, est le Conseil des droits de l'homme, un organe qui est là intergouvernemental et qui a remplacé l'ancienne Commission des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme porte lui aussi la marque de la Déclaration universelle, puisque la résolution 60-251, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006 et qu'il a créée, elle aussi fait directement référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mettant en œuvre les valeurs d'universalité et d'interdépendance consacrées dans la Déclaration, le Conseil des droits de l'homme est un forum universel pour les États, mais qui est aussi ouvert à la société civile. Les violations des droits de l'homme y sont abordées et font l'objet de résolutions. Le Conseil des droits de l'homme peut également créer des procédures spéciales concernant une situation spécifique d'un pays ou des questions thématiques dans toutes les régions du monde. Enfin, je mentionnais un quatrième mécanisme onusien en lien avec le Conseil des droits de l'homme, qui est la procédure appelée « examen périodique universel », créée en 2007
pour évaluer la situation des droits de l'homme dans chacun des États membres de l'ONU. Il s'agit là, dans le cadre de l'examen périodique universel, d'une évaluation qui est faite d'un État par les autres États. En vertu de la résolution 5.1 du 18 juin 2007, qui prévoit son institution, la Déclaration universelle des droits de l'homme constitue une des bases pour mesurer le respect par l'État de ses obligations internationales. Voilà donc un éventail rapide des différentes mesures qui certainement trouvent leur source dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je n'ai pas mentionné les développements régionaux qui ont été directement inspirés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces développements sont également extrêmement importants et s'étendent d'abord à l'adoption de traités régionaux. Je les mentionnerai rapidement. La Convention américaine relative aux droits de l'homme en 1948, la Convention européenne de 1950, la Charte arabe des droits de l'homme de 2004, la Charte des droits de l'homme de l'ASEAN en 2012, qui tous se réfèrent explicitement à la Déclaration. Ces développements régionaux, qui ont déjà été évoqués et dont l'importance est indéniable, sont certes internationaux, mais ils ne sont évidemment pas universels. Et en ce sens, je ne voulais simplement qu'en faire mention et n'irai pas au-delà dans les développements. Pour conclure, je souhaiterais citer l'ancienne haut-commissaire pour les droits de l'homme de l'ONU, la Sud-Africaine Navi Pillay, qui affirmait que la Déclaration universelle a eu, je cite, « plus d'impact sur l'humanité que n'importe quel autre document ». Elle-même, ancienne avocate de Mandela, qui a passé beaucoup de temps dans les geôles sud-africaines, savait certainement de quoi elle parlait quand elle indiquait l'impact sur l'humanité de cette déclaration qu'elle avait elle-même eu directement l'occasion d'utiliser devant les juridictions sud-africaines avant de devenir haut-commissaire de l'ONU. En ce sens, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est généralement reconnue comme étant le fondement du droit international relatif aux droits de l'homme, n'est pas seulement une déclaration, mais bien une source d'inspiration. Adoptée il y a 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme reste sans doute très jeune, et je ne suis pas persuadée du tout que si elle devait être renégociée aujourd'hui, on aurait une déclaration aussi large que celle que nous avons obtenue il y a 70 ans. Au fil des années, l'engagement pris au Palais de Chaillot est devenu loi, que ce soit sous la forme de traités, de droit international coutumier, de principes généraux, d'accords régionaux ou de législation nationale, grâce auxquels la plus grande partie des dispositions de la Déclaration peuvent aujourd'hui être garanties. La Déclaration universelle des droits de l'homme a effectivement inspiré plus de 80 déclarations et traités internationaux, un grand nombre de conventions régionales sur les droits de l'homme, des projets de lois nationaux sur les droits de l'homme et des dispositions constitutionnelles. En ce sens, elle est à la source d'un système global qui finalement est juridiquement contraignant et qui permet la promotion et la protection effective des droits de l'homme, même si elle est trop souvent limitée en pratique. Je vous remercie de votre attention. Chers collègues, mesdames et messieurs, donnons-nous quelques minutes pour des questions et un échange. Elles seront, je crois, les bienvenues. Qui souhaite poser une question? Ah, c'est un peu compliqué, vous levez la main en même temps. Madame, alors. Chacun se présente, si vous le voulez bien, avant de formuler une question. Bonjour, je m'appelle Fernanda, je fais un doctorat en droit de la santé. Et je voudrais poser une question sur la efficacité de la déclaration, surtout au niveau des malades étrangers. Si on regarde la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on peut être un peu optimiste parce que ça évolue pendant le temps, mais ça fait longtemps que les malades étrangers, ils étaient éloignés des États et les droits à la santé comme un droit social n'étaient pas reconnus dans l'ordre interne des États. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez sur cette évolution, si vous pensez qu'on peut aller plus loin ou non, ou chaque État doit réserver ses systèmes, sa ordre
et comment on peut coordonner les droits sociaux et la déclaration. Très bien, merci de votre question, madame. Qui d'entre vous souhaite répondre à cette première question? Vous-même, monsieur le professeur, je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur le président. Oui, le problème des droits sociaux est évidemment qu'ils doivent s'accompagner de mesures complémentaires et aux inquiétudes de certains représentants à la Commission des droits de l'homme, il avait été répondu par la mention assez habile, mais en même temps dangereuse dans le texte, que les droits, notamment le droit à la santé, devaient être entendus conformément à l'organisation de l'État et conformément à ses ressources. Alors à partir de là, évidemment, le verre était un peu dans le fruit et il était clair que la mise en œuvre des droits sociaux devrait tenir compte de facteurs de variation assez importants, ce qui revenait un tout petit peu à les abandonner à la discrétion des États. La seule limite à cette discrétion, ce sont précisément les mécanismes de garantie internationale qui s'efforcent depuis notamment, je dirais, une quinzaine d'années de canaliser le pouvoir discrétionnaire de l'État en matière de droits économiques et sociaux. Alors, vous avez cité une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur un point très particulier, mais on peut aussi citer la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux, la jurisprudence onusienne également en matière de garantie du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Par l'interprétation des organes chargés de veiller au respect de ces pactes, de ces droits, on progresse tout de même d'une manière significative vers plus d'effectivité imposée, je dirais, à ces droits qui, au départ, avaient été très largement abandonnés par prudence à la discrétion des États. Je ne vous oublie pas, monsieur, vous êtes le troisième après. Oui, Régis Degoutte, donc premier avocat général honoraire à la Cour de cassation et surtout ancien membre du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale. Je ne vous ai pas beaucoup entendu parler des menaces qui pèsent actuellement sur les droits de l'homme. J'ai malheureusement, dans le Comité des Nations Unies où j'ai été, et certainement professeur Emmanuel Decaux, qui est actuellement membre d'un comité aussi, l'a constaté, j'ai observé de la part de nombreux États une critique des droits de l'homme selon deux idées majeures. D'une part, ce serait l'expression des pays occidentaux, une conception des droits de l'homme à l'occidental, et d'autre part, et surtout parce que c'est souvent dit par certains représentants, ces droits sont beaucoup trop centrés sur les droits individuels, donc sur l'individualisme des droits de l'homme, et un certain nombre d'États et même d'experts nous rappellent qu'il y a des droits, mais aussi des devoirs à l'égard de la communauté, et donc ce reproche d'individualisme excessif qui est souvent à l'origine de ces critiques. Que pensez-vous de ce que j'appelle un peu quand même certaines menaces qu'on voit monter actuellement dans la société internationale? Merci beaucoup. Vous répondez peut-être, madame, si vous le voulez bien. Certainement. Merci beaucoup. J'ai délibérément pris un ton optimiste dans cette présentation, mais ce qui ne signifie pas qu'il y a effectivement des menaces nombreuses et aussi, à mon avis, très graves, qui ne sont pas nouvelles, mais qui se sont peut-être encore accrues ces dernières années. Et en voyant peut-être un peu globalement le mouvement qu'on a eu vers une universalité et une reconnaissance des droits de l'homme intrinsèques à la nature humaine, fait un petit peu face à des critiques qui sont beaucoup plus axées sur des questions d'identité, que ce soit sur une base religieuse ou nationale, voire politique. Et donc il y a la montée des populismes notamment,
qui est très souvent dénoncé par le haut commissaire actuel, le Jordanien Zeid Raad al-Hussein, qui a fait de nombreuses déclarations publiques qui vont dans ce sens. Cette montée des populismes porte une menace très grave pour la pérennité des droits de l'homme. Mais les menaces sont multiples, et il y a aussi des menaces qui viennent simplement du fait que peut-être qu'on voit l'autorité des États être elle-même quelquefois érodée par la montée d'autres puissances, dont notamment les entreprises. Et en ce sens, je pense qu'il y a aussi des questions fondamentales qui vont se poser dans les années qui viennent, s'agissant du respect des droits de l'homme par des compagnies privées, par des entreprises. Évidemment, celles qui sont actives dans le domaine des technologies. On pense là à la question grave et compliquée du respect du droit à la vie privée par plusieurs compagnies, dont certaines sont pour l'instant, on en parle beaucoup, mais il y a d'autres types de compagnies, les compagnies de sécurité privée par exemple, et je parle là sous le regard d'un expert, Excellence. Donc il y a des menaces existantes, il y a aussi les menaces qu'on voit s'insérer en filigrane. Une réponse qu'on peut en tout cas donner à tous ces pays qui, quelquefois, et notamment en fait à Genève, dans l'enceinte du Conseil des droits de l'homme, évoquent ce qui serait le terreau occidental ou de culture occidentale qui est celui qui aurait donné et été propre à l'émergence du droit international en matière de droits de l'homme, la réponse qu'on peut leur en donner, c'est que les traités ont été ratifiés. Et dès lors que ces États décident d'être eux-mêmes en fait limités par la portée de ces traités, cela s'impose. Je pense surtout qu'il faut répondre à ces critiques en entendant les voix qu'on trouve dans ces pays mêmes. C'est-à-dire que certains des pays qui sont les premiers à dire « les droits de l'homme sont occidentaux » sont aussi des pays dans lesquels on trouve des activistes, des avocats, des magistrats, des membres d'organisations non gouvernementales qui, eux, font référence aux traités internationaux et qui utilisent ces traités internationaux pour lutter de l'intérieur contre leur État dans des cas où les normes ne sont pas respectées. Mais effectivement, ça a toujours été le cas, je crois, que les droits de l'homme soient menacés. Mais on est dans une période qui est particulièrement difficile aujourd'hui. Merci. Merci à vous, monsieur, que j'avais omis. Je vous remercie de m'accorder la parole. Je m'appelle Édouard Chollet, je suis étudiant en première année de master, et ma question est la suivante. La guerre, la tyrannie, l'intolérance sont autant de fléaux dont les droits de l'homme préservent la famille humaine. Pourtant, la grande famille humaine, une fraction de la grande famille humaine, se voit aujourd'hui encore privée de cette protection. Je veux bien sûr parler des enfants à naître. Alors j'aimerais savoir si, selon vous, la mise en perspective du droit à l'avortement est pertinente avec l'évocation des droits de l'homme tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, tels que le droit à la vie ou le droit à la dignité, à l'intégrité. Monsieur le professeur. Oui, alors le problème du droit à l'avortement fait partie de ces éléments qui ne se prêtaient pas à un consensus international déjà en 1948. Pour pouvoir progresser dans l'élaboration du texte de la Déclaration, la Commission des droits de l'homme a décidé de ne pas inclure, ou chercher à inclure plus exactement, un certain nombre de droits qui eussent été problématiques et sources de division entre les États. Par exemple, le problème auquel vous venez de faire allusion, mais également, outre la question de l'avortement, on a laissé de côté le problème de la protection des minorités. L'Union soviétique souhaitait que la protection des minorités fût inscrite, comme elle l'avait été dès 1919, au niveau international. Certains États qui avaient notamment en mémoire les abus et les instrumentalisations de ce droit par le régime hitlérien, notamment en 1938 lors des accords de Munich, ont très fermement refusé cela, et donc ça fait partie également de ces thèmes que l'on a décidé d'écarter du texte de la Déclaration. Donc il y a évidemment un certain nombre de choses qui ont été omises alors que
telle ou telle opinion aurait souhaité l'inclusion de ces droits. Pareil pour l'euthanasie, par exemple. Le texte n'en fait pas mention pour une raison très simple, c'est que c'était une source de vue divergente. Donc on peut dire que le texte de la Déclaration exprime effectivement un dénominateur commun, qu'on peut, si l'on veut, juger le plus petit dénominateur commun, mais en tout cas un dénominateur commun de l'ensemble des États, ce qui explique qu'il a pu être, comme je le disais, adopté finalement à l'unanimité. Question. Je propose qu'on reprenne avec Madame Karine Gilbert, si elle le veut bien. Je mets juste le temps pour être sûre de tenir les promesses faites. D'abord, je souhaiterais vous remercier de cette invitation à parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du droit national. Je vous remercie et en même temps, c'est un petit peu un cadeau empoisonné, car je me suis interrogée sur les interactions que nous pouvions avoir au ministère de la Justice, dans mon bureau, qui est en réalité en charge des droits de l'homme, avec cette déclaration universelle et comment nous travaillons avec cette déclaration universelle des droits de l'homme. Et ceci m'a conduit à un certain nombre de réflexions que je vais vous livrer à présent. La première, c'est ce que voulaient les promoteurs, les auteurs de la déclaration universelle, ce que voulait la communauté internationale à travers cette déclaration, et comment on a pu s'assurer de l'effectivité ou pas des droits au niveau national, qui est une véritable question. Ils savaient bien cela, que l'intolérance, le racisme, la misère ou la guerre ne se soumettraient pas à la force des mots, mais ils voulaient, par un engagement solennel qui en appela à la conscience universelle, exprimer, définir, à l'échelle de la planète, les libertés fondamentales dues à tout être humain, à toute société, afin que nul n'ignorât son droit et que ce droit fût garanti. Tel était le discours du président de la République en 1988, à l'occasion du 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui précédait le bicentenaire de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle avait été conçue, a dit René Cassin lui-même, comme un temple avec un certain nombre de piliers qui se trouvent dans les droits consacrés au sein de cette déclaration. À chaque anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en tout cas à chacune des décennies, ressurgit la question du statut de cette déclaration en droit national. Les droits consacrés par celle-ci ont-ils en pratique une portée effective est une question qu'on se pose. Sa nature déclaratoire, un manifeste collectif de principes, comme le souhaitait le Royaume-Uni dont on a parlé plus tôt. La nature d'une coutume internationale ou du juste Koggins pose toujours question aux internationalistes, mais qu'en est-il de ceux qui sont plus internistes, comme je le suis. À lire la jurisprudence administrative, on en a parlé tout à l'heure, la question serait entendue. La Déclaration universelle des droits de l'homme n'aurait pas de portée normative et ne pourrait de ce fait s'imposer sur la loi. Elle n'aurait pas valeur de coutume internationale non plus. Elle souffrirait en effet de n'avoir été que publiée au journal officiel, ce qui ne permettrait pas, à juger le Conseil d'État dans une jurisprudence constante, de la ranger au nombre des textes diplomatiques qui auraient une autorité supérieure à celle de la loi interne. Ainsi, les requérants ne sauraient utilement invoquer cette déclaration à l'appui de leur pourvoi. A priori, le banc semble assez clos,
Mais reconnaissons qu'aujourd'hui, le jour de l'anniversaire ou l'année de l'anniversaire de cette déclaration, il n'est pas d'usage de critiquer l'impétrante le jour de son anniversaire. Ce serait lui faire offense. Une lecture de premier niveau semblerait laisser penser que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a qu'un faible impact sur le droit national. La situation n'est sans doute pas aussi simple qu'il peut y paraître. La portée de la Déclaration universelle agite la doctrine internationale depuis de nombreuses années, mais qu'en est-il en réalité? Pour le droit français, il s'agit donc d'un droit déclaratoire qui se confronte toutefois à une densification croissante du socle universel des droits de l'homme. Elle s'affirme en outre comme une matrice dans la fabrique du droit national, et je voudrais évoquer ici la façon dont cette déclaration peut innerver le droit national, et d'une façon que j'espère intéressante et originale. Donc la portée effective et renforcée de la Déclaration universelle des droits de l'homme en droit national. Deux mouvements vont conduire à cette densification du socle universel des droits de l'homme. Le premier mouvement, qui part des juridictions nationales, semble peu prometteur, bien que ces juridictions semblent être en voie d'assouplir leur jurisprudence. Un second mouvement de densification, dont il a déjà été question, est celui de la densification du réseau des instruments internationaux et régionaux des droits de l'homme, la pression de ces instruments sur le droit national, et en tout cas une pression à laquelle le droit national ne peut être ni insensible ni sourd, notamment par le biais de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sans doute, mais aussi par le biais des exercices que nous menons avec les comités internationaux, enfin les organes des traités, et le tout dernier que nous avons mené est l'examen périodique universel au mois de janvier dernier. La Déclaration universelle des droits de l'homme a-t-elle une influence réelle alors que la jurisprudence s'est montrée assez fermée aux arguments des requérants sur l'invocabilité ou la justiciabilité des droits? Simplement, cette première assertion doit être sans doute tempérée parce qu'il y a des jurisprudences plus ouvertes à la déclaration, en tout cas aux arguments tirés de la déclaration, aux moyens tirés de la déclaration. La Cour administrative d'appel de Versailles a par exemple jugé de la sanction prononcée à l'encontre d'un stagiaire parce qu'il aurait refusé de respecter le principe de neutralité du service public en refusant de se raser la barbe. Je précise qu'il travaillait dans un milieu hospitalier, et donc se raser la barbe aurait pu avoir un sens, mais là était invoquée la question de ses convictions religieuses. La Cour a jugé en effet, par un arrêt du 19 décembre 2017, que cette sanction ne présentait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée normale, ni ne méconnaissait la liberté fondamentale du droit au travail, garantie par la Charte sociale européenne, dont il a été question tout à l'heure, mais aussi par l'article 23, dit la Cour d'appel, administrative d'appel de Versailles, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et elle cite également le préambule de la Constitution. Comme on le verra tout à l'heure, l'enjeu ici, c'est que la Déclaration universelle des droits de l'homme dans la jurisprudence est rarement invoquée seule. Donc parfois, on s'interroge sur quelle est la portée de cette déclaration, puisqu'elle est souvent invoquée avec d'autres. La Cour administrative a donc jugé que... Une autre Cour administrative a aussi jugé que les requérants n'étaient pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans une autre affaire, Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 décembre 2016. On pourrait citer bien des jurisprudences où la Déclaration universelle des droits de l'homme est invoquée et où elle est retenue par le juge, qu'il soit administratif ou qu'il soit judiciaire. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a une tendance à considérer que la Déclaration universelle, selon le considérant de principe du Conseil d'État,
n'a pas été ratifiée par la France dans les conditions prévues par l'article 55 de la Constitution et que ces stipulations ne peuvent par suite être utilement invoquées par les requérants. Conseil d'État, 13 juin 2016. Il faut toutefois se garder d'une lecture un peu trop manichéenne de l'applicabilité de la déclaration. En effet, cette dernière ne peut être pensée seule, comme je l'indiquais tout à l'heure. Cette dernière doit être comprise avec d'autres instruments. Elle n'est pas un instrument isolé, à mon sens. Elle est un instrument qui se lie avec les autres instruments des droits de l'homme, qu'ils soient du droit international ou du droit européen des droits de l'homme. Ces instruments, en effet, comme il a été dit par les intervenants qui m'ont précédé, entretiennent une conversation. Une conversation qui est d'une certaine façon animée ou éclairée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme l'a dit Serge Guinchard, cette déclaration peut être conçue comme à la manière d'un préambule du droit international ou européen des droits de l'homme. L'invocation régulière par les requérants est une chose bien connue. Ce que je voudrais évoquer, c'est est-ce que cette invocation prospère devant les juridictions nationales ? Est-ce qu'elle prospère aussi devant les juridictions européennes lorsqu'elle est invoquée ? Je voudrais avoir quitté un petit peu le droit national, quoique, pour m'intéresser à cette invocation devant la Cour européenne des droits de l'homme et constater que lorsqu'elle est invoquée devant la Cour européenne des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme permet de combler un certain nombre de lacunes de la Déclaration ou au contraire de la Convention européenne des droits de l'homme ou au contraire d'écarter certaines ouvertures qui avaient été rendues possibles par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense en particulier à l'article 16 de la Déclaration qui prévoit qu'à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction, etc., ont le droit de se marier, de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. La question du divorce n'a pas été inscrite dans la Convention européenne des droits de l'homme et c'est une question qui a été soulevée devant la Cour européenne des droits de l'homme sur le point de savoir est-ce qu'on pouvait interpréter la Convention européenne des droits de l'homme au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette question s'est posée à plusieurs reprises, une première fois en 1986 dans une affaire Johnston et autres contre Irlande, 18 décembre 1986. La Cour, dit-elle, ne saurait dégager de l'article 16 de la DUDH au moyen d'une interprétation évolutive, un droit qui n'y a pas été inséré au départ. Il en va particulièrement ainsi, dit la Cour, quand il s'agit, comme ici, d'une omission délibérée. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, en 1986, s'est référée aux travaux préparatoires à l'article 12 de la Convention sur le droit au mariage et en a conclu que les auteurs de la Convention avaient intentionnellement écarter le droit à la dissolution du mariage. Alors, en lisant les commentaires sur ces différentes décisions, on peut relever que cette interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme a été critiquée, mais la Cour a maintenu cette interprétation à l'article 12, en référence aux travaux préparatoires de l'article 16, toujours, dans un arrêt récent sur le même sujet, Barbias contre Pologne pardon, du 10 janvier 2017. L'opinion dissidente du juge Sajot est à cet égard intéressante à lire car elle permet de comprendre les critiques qui peuvent être adressées à cette interprétation de la Cour. La Déclaration universelle des droits de l'homme est donc une matrice
du droit européen, du droit international, des droits de l'homme et pour la jurisprudence aussi dans ses évolutions, elle est aussi une matrice pour la fabrique du droit national. On a pu regretter le rendez-vous manqué de la Constitution de 1958 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque dans les travaux préparatoires à la Constitution avait été envisagée une référence dans le préambule à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui n'a pas été le cas. Il n'en reste pas moins, pour reprendre les termes du professeur Decaux ici présent, que les grandes déclarations peuvent constituer des phares qui éclairent la pratique. Je voudrais, dans ce cadre, évoquer deux points. La première chose sont les potentialités de la Déclaration universelle des droits de l'homme en droit national, notamment face au développement d'activités transnationales dont il a été un peu question, et démontrer que le texte, d'une certaine façon, comme vous le mentionniez, Madame, tout à l'heure, est en réalité toujours adapté aux évolutions. Il a été conçu d'une telle façon que certaines évolutions nationales sont toujours possibles sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je citerai quelques exemples, par exemple le brouillage des communications électroniques. On ne peut pas dire que cette question pouvait être absolument anticipée en 1948 à ma connaissance, mais je dois dire qu'en la matière, je ne suis pas une experte. Dans les travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur ce sujet, rapport du 14 juin 2016, il est indiqué que les normes internationales, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, considèrent que la liberté d'information inclut le droit de recevoir le média de son choix sans considération de frontières. C'était une conception, dit le rapport, extrêmement anticipatrice. Certes, les radios existaient en 1948, mais pas les satellites de télévision. Ce principe de la liberté de l'information a ensuite été consolidé au travers de toute une série de textes. Autre exemple, le droit et les libertés à l'âge du numérique. Donc, il s'agit aussi d'un rapport d'information déposé par une commission de réflexion présidée par Christian Paul et Christiane Ferral-Schul. Hier annoncé comme une promesse de principe, un droit universel devient soudain réalité tangible. Formulé par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit de tout individu de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit, est désormais devenue une potentialité ouverte. Devant cette évidente bonne nouvelle, l'enjeu d'une délibération collective, dit le rapport, est d'énoncer des conditions pour que cette liberté ne se retourne pas contre elle-même, et ce sont donc les dangers qu'on a pu évoquer tout à l'heure. La référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme est aussi une interpellation adressée le plus souvent au gouvernement, et les références croisées aux instruments européens et internationaux des droits de l'homme s'observent dans la jurisprudence nationale, certes, mais aussi dans le travail d'élaboration de la norme, et c'est ce que je voudrais évoquer maintenant. L'invocation de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans ce cadre vient au soutien des évolutions juridiques pour une meilleure protection des droits, mais aussi pour exploiter toutes les potentialités de cette déclaration. Je citerai l'exemple de la loi et du sujet que vous avez mentionné tout à l'heure, du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Le principe de la liberté de création artistique, dit l'étude d'impact de ce projet, constitue un enjeu majeur de notre démocratie. Or, à ce jour, il n'est pas formellement consacré en tant que tel en droit interne. Il ne figure pas dans les textes constitutionnels, contrairement à d'autres pays européens. Et là, je pense que vous avez compris la référence qui va suivre. La Déclaration universelle des droits de l'homme garantit à toute personne, en son article 27, le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire
ou artistique dont il est l'auteur. On peut s'interroger ici sur cette référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, car la propriété intellectuelle est reconnue par d'autres textes européens ou internationaux, du droit de l'Union européenne notamment. Mais néanmoins, cette déclaration assoit ou inspire le législateur et lui permet d'éclairer ses choix. Tel est le cas de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Je salue ici le ministère des Affaires étrangères, puisque nous avons travaillé sur ces questions ensemble, sur la question de la diligence raisonnable qui a été dégagée dans les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme formulés par les Nations Unies. Et cette diligence raisonnable se fonde à la fois sur plusieurs références, celle à la Charte internationale des droits de l'homme dont vous avez parlé tout à l'heure, qui comprend la Déclaration universelle et les deux pactes internationaux, ainsi qu'à la Déclaration de l'OIT relative aux principes fondamentaux du travail. Les principes consacrés donc par ces instruments sont considérés comme plus universellement reconnus par la communauté internationale, indique le rapport fait au nom de la commission des lois sur la proposition là relative au devoir de vigilance qui est devenue la loi que j'ai citée. L'universalité, évidemment, est plus qu'internationalité, et c'est ce point qui est particulièrement intéressant, évidemment, sur la question la Déclaration universelle et son universalité. On constate que la Déclaration universelle est en réalité invoquée dans de très nombreux domaines, pour de très nombreux droits, j'en citerai quelques-uns. Conciliation du droit de propriété et fouilles archéologiques, afin de garantir la propriété privée, droit protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Réponse du ministère de la Culture et de la Communication à une question parlementaire le 13 août 2013. Il s'agit, en se référant à la Déclaration, d'appuyer des consécrations nécessaires d'un droit particulier dont on considère que la Déclaration va lui donner une assise plus forte que ne pourrait le faire un autre instrument européen ou international des droits de l'homme. Parmi les autres sujets qui peuvent aussi attraire la Déclaration universelle des droits de l'homme, la réflexion éthique accompagnant l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. L'autorité morale de la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est plus à démontrer, mais son statut juridique pose toujours question, comme vous avez pu le comprendre, en droit national. Ce statut juridique, un auteur l'a qualifié d'aventure juridique. Il s'agit d'une thèse qui a été publiée récemment. La Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte matriciel, une boussole dans la consécration des droits, ce à quoi il conviendrait de s'intéresser, c'est quels éléments du texte n'ont pas encore été consacrés par notre droit national. C'est la question qu'il reste sans doute à traiter, mais quels éléments du texte n'ont pas été prolongés non plus par des instruments européens ou internationaux. C'est aussi une question à se poser. L'aventure juridique de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous l'aurez compris, le droit national ne l'amène pas seul. Il y est encouragé par les acteurs de la société civile dont il a été question. Nous sommes au ministère de la Justice, mais le gouvernement en général, très sensible aux arguments formulés par les acteurs de la société civile sur l'effectivité des droits, et en particulier dans les mécanismes des Nations Unies dont il a été question.
Cette question du suivi national de la mise en œuvre des obligations internationales nous a tellement interpellés que nous avons mis en place au ministère de la Justice un groupe de réflexion sur les mécanismes de mise en œuvre des obligations internationales et comment nos mécanismes nationaux peuvent mieux interagir avec les mécanismes internationaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Madame Le Bâtonnier, si vous le voulez bien. Merci, monsieur le Président. Vous dire qu'en ma qualité de bâtonnier de Paris, l'importance de célébrer avec vous, avec toutes les hautes personnalités, vous, monsieur le Président, et tous les experts qui sont intervenus avant moi, l'importance de célébrer ces 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité même. C'est dans ces termes que s'exprimait Nelson Mandela. Et nous ne pouvons que souscrire à cette assertion. Je ne saurais, comme Madame Cécile Absel et Madame Gilbert, me livrer à une analyse des incidences de la Déclaration universelle des droits de l'homme en droit français sans faire référence tout simplement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, avec ce 70e anniversaire que nous célébrons de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, un pas de géant a été franchi pour le monde entier. Nous sommes passés d'une déclaration ne concernant qu'un seul pays, la France, à une déclaration universelle. Ce sont l'homme et ses droits inaliénables qui sont au cœur de cette déclaration universelle. Au demeurant, c'est donc à René Cassin que nous devons cette qualification d'universel, soulignant ainsi que les droits qui y sont proclamés concernent non pas des ressortissants d'État, mais des individus appartenant à une seule et même fratrie. Alors, compte tenu de la qualité des intervenants, je raccourcirai mon propos, ce qui vous rassurera, Monsieur le Président, et je m'attacherai plus particulièrement aux incidences en droit français au regard, vous le comprendrez, des avocats et des droits de la défense. Cette déclaration universelle des droits de l'homme, et la question qui a été posée tout à l'heure le confirme, est tout à fait actuelle, dès lors qu'elle énonce des droits repris tant dans notre Constitution que dans les principes de base relatifs aux barreaux, adopté lors du 8e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui s'est tenu à La Havane en 1990. Elle est également actuelle en ce sens qu'elle a permis de faire progresser les droits de l'homme. Or, ne perdons pas de vue que la France est le pays des droits de l'homme, et en ma qualité de bâtonnier de Paris, je suis régulièrement, sachez-le, appelé dans bon nombre d'États afin de défendre les libertés et de défendre des avocats, des magistrats, des juges, des journalistes qui sont poursuivis afin d'assurer leur défense. Comme cela a été indiqué, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un instrument juridique effectivement non contraignant a soigneusement été élaboré pour promouvoir et protéger les droits de la personne. L'énoncé des nombreuses correspondances entre la Déclaration universelle et le droit français nous démontre que, sans conteste, la Déclaration universelle des droits de l'homme imprègne notre législation, toutes les lignes de notre législation française, cela même si certaines dispositions étaient d'ores et déjà contenues dans les déclarations de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que dans notre corpus législatif, préalablement à l'adoption de la Déclaration universelle. Alors, 70 ans après, lors du 60e anniversaire de cette Déclaration universelle, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme publiait un dossier de presse intitulé « En parler, c'est bien, l'appliquer, c'est mieux ». Il est regrettable que, 10 années après, les choses n'aient malheureusement pas évolué
partout dans le monde entier, que des droits humains continuent d'être bafoués dans de nombreux domaines. Et vous le rappeliez, monsieur, par votre question en ce qui concerne les libertés individuelles et les libertés collectives. Dans de trop nombreux pays, les défenseurs des droits de la liberté d'expression sont en danger, emprisonnés, torturés. Heureusement, depuis, nous avons assisté à la création des premiers tribunaux pénaux ad hoc. Quelques grandes affaires également sont intervenues devant nos juridictions nationales sur le fondement du principe de la compétence universelle. La signature, puis l'entrée en vigueur du statut de Rome, créant la Cour pénale internationale, ont redonné un souffle nouveau à la Déclaration universelle. Ces incidences en droit français de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont bien évidemment eu des répercussions, comme vous pouvez l'imaginer, sur la profession d'avocat, étant rappelé que les avocats sont, aux côtés des magistrats, avec les magistrats, les garants du respect des lois et surtout du bon fonctionnement de la justice. Il en est résulté le premier principe, le respect des droits de la défense, qui constitue l'une des règles fondamentales de notre justice, le droit à l'avocat. Sa traduction concrète consiste dans le droit pour toute personne à l'assistance d'un conseil et dans la faculté pour une partie d'être représentée par un avocat. Notre système judiciaire français ne connaît aucune situation excluant ce droit pour une partie de comparaître devant un magistrat assisté par un conseil. Même les enfants mineurs peuvent disposer de leur propre avocat, par exemple dans le cadre d'audience devant le juge des affaires familiales. L'assistance, le droit à l'avocat se conjugue avec le respect d'un procès équitable, celui de l'impartialité, de la présomption d'innocence, de la faculté surtout d'être jugé dans des délais raisonnables. Par ailleurs, le droit à un avocat s'entend également de l'accès au droit à la justice. L'aide à l'accès au droit consiste à offrir à quiconque a besoin de divers services dans des lieux accessibles, qu'il s'agisse de tribunaux, de maisons de justice et du droit, mairies, centres d'hébergement d'urgence et autres. En outre, toute personne, quelle que soit sa nationalité, son âge, son sexe, sa culture, son niveau, son lieu de vie, a le droit d'accéder à la justice, de faire entendre sa cause et de faire examiner son affaire par un juge indépendant et impartial, d'être jugé selon les mêmes règles de droit et de procédure applicables à tous, de s'exprimer dans sa langue et, si nécessaire, d'être assisté d'un traducteur ou d'un interprète, le cas échéant en langage des signes, de se faire assister ou représenter par le défenseur de son choix. La Déclaration universelle des droits de l'homme a eu également des incidences relativement à l'existence des droits et de garanties liées à l'exercice de la profession d'avocat, mais également des devoirs et des responsabilités incombant aux avocats. Dès lors que la Déclaration universelle des droits de l'homme prône les principes de l'égalité devant la loi, de la présomption d'innocence, d'un procès équitable, il est induit que toute personne doit pouvoir bénéficier d'un accès à des services juridiques fournis par des avocats indépendants. Ces droits et devoirs figurent tant dans les principes de base relatifs aux barreaux, qui ont été adoptés lors du 8e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants de la Havane, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que de la recommandation européenne 2021 sur la liberté d'exercice de la profession d'avocat. Afin que les avocats puissent s'acquitter de leur mission, il appartient au pouvoir public de veiller à ce qu'ils ne fassent l'objet de menaces, de poursuites ou de sanctions économiques ou autres pour toute mesure prise conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur déontologie. Lorsque la sécurité d'un avocat est en danger, les pouvoirs publics doivent en assurer sa protection. Les avocats doivent également bénéficier de l'immunité civile et pénale pour toute déclaration pertinente faite de bonne foi dans des écritures ou plaidoiries ou lors de leur parution devant un tribunal ou toute autre autorité juridique ou administrative. Il incombe également aux autorités publiques de permettre aux avocats d'avoir accès aux renseignements, dossiers et documents pertinents en leur possession ou sous leur contrôle, et ce, dans des délais compatibles avec la fourniture d'une assistante juridique efficace à leurs clients.
Enfin, de veiller au strict respect de la confidentialité entre l'avocat et son client à tous les stades de leur relation professionnelle. Les avocats, acteurs essentiels de l'administration de la justice, ont naturellement des devoirs et des responsabilités. La recommandation européenne est plus précise que le texte onusien sur ce point et son principe 3, intitulé « Rôle et devoirs des avocats », peut s'apparenter à un noyau dur des principes déontologiques de notre profession. La recommandation du Conseil de l'Europe définit également très clairement le rôle des barreaux et associations professionnelles d'avocats qui ont vocation à établir les règles déontologiques régissant la profession, à s'assurer de leur respect par les avocats dans l'intérêt du justiciable, dans l'intérêt du client, à organiser la formation et la sanction, bien évidemment, des manquements, rôle du bâtonnier, autorité de poursuite. La recommandation ajoute également que les barreaux doivent prendre toutes les mesures nécessaires, y compris celles consistant à défendre les intérêts des avocats lorsqu'un avocat est arrêté ou détenu, lors de toute décision d'entamer une procédure mettant en doute l'intégrité d'un avocat, en cas de fouille d'un avocat ou toute perquisition de ses biens, ou encore de toute saisie de documents ou d'objets détenus par un avocat, et enfin lors des publications d'articles de presse appelant une réaction de la part des avocats. Voilà, tout ceci, nous le devons, sont les conséquences de la Déclaration universelle des droits d'homme, mais aussi de nos droits fondamentaux français. Alors, pour ce faire, la profession d'avocat est particulièrement impliquée, avec beaucoup de magistrats également qui sont à nos côtés, afin de faire respecter les droits de l'homme dans le monde, notamment la création de l'Observatoire international des avocats en danger, qui a vu le jour en 2015, qui a pour objet de défendre ces avocats, magistrats, journalistes, citoyens, menacés dans le cadre de l'exercice de leur profession, de dénoncer les situations attentatoires aux droits de la défense de la défense, avec l'envoi d'observateurs systématiques sur des procès dans un certain nombre de pays qui sont encore à ce jour trop nombreux dans le monde. De nombreuses actions également qui permettent que soit respecté l'accès aux droits. Paribus Solidarité, la mise en place d'une antenne de mineurs, Initia Droit, l'aide aux victimes dernièrement d'attentats, d'actes de terrorisme, avec le partenariat avec des associations humanitaires. Et tout à l'heure, une personne posait la question sur le droit à la santé. Bien souvent, nous sommes appelés également en renfort. Pourquoi ? Parce que les associations de médecins nous disent qu'ils ne peuvent pas soigner dès lors qu'ils ne peuvent pas retrouver la personne et qu'elle n'a plus de domicile et qu'il ne peut pas y avoir existé une continuité dans les soins. Toutes ces actions participent de la défense des droits de l'homme telle que proclamée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ajouterai que, et cela a été évoqué comme effectivement une des conséquences également de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la participation à des actions comme la COP21, comme l'implication dans la défense de notre planète. Notre barreau, en ce qui nous concerne, s'est toujours mobilisé devant les différentes juridictions pénales internationales. Il était représenté lors des négociations qui se sont tenues à Rome en 1998 et qui ont abouti à l'adoption du statut de la Cour pénale internationale, et de même dans toutes les conférences préparatoires afin que puissent être défendus les justiciables dans le monde, victimes de crimes contre l'humanité, victimes de crimes de guerre. Voilà, mon barreau est également membre naturellement de la coalition française pour la Cour pénale internationale, membre fondateur de la coalition mondiale contre la peine de mort, qui a pour but de renforcer la dimension internationale du combat contre la peine capitale. Les exemples sont nombreux et ces quelques exemples vous démontrent que, fort des principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la profession d'avocat et tous les juristes s'impliquent avec dynamisme et conviction dans la défense des droits humains, quel que soit le domaine concerné. Au demeurant, la jurisprudence intervenue en matière de défense des droits de l'homme s'est amplifiée encore ces dernières années.
Tout dernièrement, puisque je le lisais encore ce matin, des citoyens des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine viennent de créer un tribunal qui doit juger des responsables de crimes de guerre qui auraient été commis par les forces gouvernementales. Une audience aurait été tenue le 3 avril dernier. Cette initiative, qui ressort d'un vaste mouvement populaire, était qualifiée ce matin dans le journal d'une performance politique s'agissant d'offices non gouvernementaux. La dignité humaine a fait l'objet de nombreuses décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment l'arrêt Kudla contre la Pologne le 26 octobre 2000, statuant en matière de conditions de détention. La Cour a estimé qu'elle devait être compatible avec la dignité humaine, le droit à un procès équitable, je ne reviendrai pas dessus, si ce n'est pour citer les décisions abondantes contre Alexis, contre la Grèce, concernant le remplacement d'un juge sans motivation pertinente. Il en va de même de l'interdiction des traitements inhumains, l'arrêt Duval contre la France le 26 mai 2011 pour le défaut de soins médicaux en prison, reconnaître à la Déclaration universelle des droits de l'homme la consécration du statut juridique de la norme coutumière est fondamentale, cela même si ce texte est dépourvu d'effets contraignants. Alors, la principale conséquence de l'incorporation d'une norme dans le droit coutumier est, d'après Théodore Méron, que la norme appartenant au droit coutumier devient contraignante pour les États qui ne sont pas partis à l'instrument dans lequel la norme est citée. Ainsi, brillant le par écrit, la Déclaration universelle et d'autres preuves indiquent une croyance des États qu'ils ont une forte obligation morale de protéger tous les droits qu'elles proclament et de se conformer aux restrictions sur les limitations de ces droits. Tous les États ont une obligation contraignante de protéger les droits impérieux et essentiels et de souscrire aux limitations de ces droits d'ordre supérieur. Ces obligations sont donc entrées dans le domaine du droit international coutumier. Je ne reviendrai pas sur la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a été citée par monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, simplement de citer cette décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 décembre 2008 sur l'applicabilité directe d'une des stipulations du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, et surtout la chambre sociale de la Cour de cassation a soulevé d'office le moyen de l'inconventionnalité de la disposition qui était en cause au motif qu'elle était contraire aux dispositions de l'article 6.1. Voilà. En reconnaissant l'applicabilité directe d'une des stipulations du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels qui peut donc désormais être directement invoquée par un justiciable devant une juridiction, cette décision contribue à battre en brèche une idée reçue, la présomption d'injusticiabilité des droits économiques, sociaux et culturels garantie par ces normes internationales de seconde génération. Alors, j'en termine en ce qui concerne mon intervention. Il me vient juste à l'esprit un proverbe de droit civil issu du dictionnaire des sentences et proverbes publié en 1892. L'acte d'hier périt par l'acte d'aujourd'hui, car alors même que nous ne pouvons que rendre hommage aux rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la modernité et à l'actualité de son contenu, la réalité dans le monde n'est pas toujours conforme au texte. J'exprime donc le souhait que nous demeurions mobilisés et unis et œuvrions afin que des textes aussi novateurs et empreints d'humanité que la Déclaration universelle des droits de l'homme continuent de faire rayonner la fratrie à laquelle René Cassin était tant attaché. Merci. Je pense que nous pouvons prendre quelques questions, puisque nous sommes dans les temps que nous nous sommes donnés. Qui souhaite poser des questions ? Vous, monsieur, je vous en prie. Il vous faut vous présenter, si vous le voulez bien. C'est notre règle. C'est de la part de monsieur Diouf Mabouyo, juriste de formation, parce que titulaire on disait à mon époque maîtrise en droit. Bon, j'en ai deux. La première en droit des affaires, la seconde carrière judiciaire. Bon, ancien policier adjoint pendant 5 ans aussi au dépôt du palais de justice de Nanterre.
Je suis président d'une association qu'on appelle Famille Enfance Partage Solidarité, qui parle aussi beaucoup de droits de l'homme. Mon intervention, c'est surtout sur l'incidence par rapport au droit français. J'y pensais tout à l'heure, mais j'ai préféré attendre la collègue en débattre par la suite. Rappelons qu'en 2008, il y a une réforme constitutionnelle importante sur la Constitution de 1958. Par exemple, c'est là où l'on parle que la limitation du mandat présidentiel est de maximum 2 fois 5 ans, etc. Ce que je demande, c'est simple. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les droits humains individuels les plus importants qui ont inspiré de nombreuses constitutions de pays francophones depuis le début des années 90, qui se sont démocratisés, à l'exemple le Bénin, qui ont été rédigés par des professeurs d'université français, en tout cas sous leur inspiration, ne puissent pas entrer dans des réformes constitutionnelles françaises, par exemple le droit à la sûreté, aux respects fondamentaux, de la personne humaine, étant donné que depuis 1986, la Cour européenne des droits de l'homme a eu à de multiples reprises à condamner la France pour des problèmes de torture, de mauvais traitement sur des individus détenus ou autres, gardés à vue ou consorts dans le sol français. Monsieur, il faut que vous en veniez à votre question, car pour l'instant c'est un monologue. Quelle est votre question, voulez-vous? Voilà, ma question elle est simple. Est-ce qu'il ne faudrait pas que, dans des projets de réforme constitutionnelle, que des droits humains individuels sacrés, émanant issus plutôt de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puissent entrer dans notre Constitution, d'accord? Pour qu'il y ait plus de respect, autrement que à chaque fois de se référer à la Convention européenne et consorts. Je vous remercie. Qui souhaite répondre? Madame Le Bâtonnier. Je crois que pour le coup, c'est ce que nous venons d'indiquer, que la France a été, avant même cette Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1789, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, déjà intégrée toutes ces dispositions. Alors ça pourrait être une solution, mais malheureusement une constitution ne peut être tout aussi exhaustive, et que je pense que à l'heure de l'Europe, d'avoir notre Déclaration universelle des citoyens et entre de fait dans notre droit français. Merci beaucoup. Autre question dans cette salle? Non? Oui, monsieur, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Nathan Théman, je suis étudiant en Master 2 à Assas, en droit. Et je me permets de poser une question. Aujourd'hui, on célèbre du coup les 70 ans de la DUDH, on va bientôt procéder à une réforme constitutionnelle. La Cour européenne des droits de l'homme a une jurisprudence de plus en plus importante dans notre droit national. Et je me demande comment cela se fait-il que le statut du procureur français n'est toujours pas réglé. Comment ça se fait qu'on va procéder à une réforme constitutionnelle qui finalement ne permet pas le respect de la jurisprudence de la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme? Je pense à l'arrêt Medvedev, à l'arrêt Moulin contre France, qui estime que le statut du parquet est contraire à l'article 5 de la CEDH. Je vous remercie. Qui souhaite répondre? Faites-le, madame, si vous voulez bien. Oui, j'ai déjà répondu à cette question parce que monsieur est un de mes étudiants. sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et le statut du parquet, je pense qu'il y a une lecture
qui n'est pas exactement celle que vous avez donnée de la jurisprudence de la Cour. D'autres pourront en avoir une autre, peut-être. La Cour n'a pas exigé que le parquet soit indépendant dans ses arrêts en référence à l'article 5 de la Convention. Simplement, la Cour a indiqué que le procureur, le parquet, n'était pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qui veut dire qu'il il convient, lorsqu'une personne doit être présentée à un juge, de la présenter à un juge judiciaire. En tout cas, c'est ce qu'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme après réformer le statut du parquet est une autre question. Une dernière question, s'il en est une. Oui, monsieur, je vous en prie. Essayez d'utiliser le micro, peut-être, parce qu'on vous entend. En ce qui concerne les gardes à vue, on a créé le juge de la détention. Oui. Voilà. En ce qui concerne les gardes à vue, on a créé le juge de la détention. Oui, mais justement, ça fait partie du problème. Oui. Pardon ? Cette contribution est une réponse à la question qui vient d'être posée ? Non, pas du tout. C'est simplement rappeler qu'à l'occasion de cette jurisprudence, on a créé le juge de la liberté pour les gardes à vue. Oui, bien sûr. Très bien. Oui, madame. Bonjour, je suis étudiante en master 1 carrière judiciaire. Et j'ai une question à vous poser. Dans chacun de vos développements, vous semblez indiquer qu'à chaque fois que vous précisez que la DUDH n'a pas vraiment d'effectivité, vous semblez indiquer qu'elle a quand même permis de mettre en lumière, elle a teinté certains textes, elle a influencé des textes qui sont contraignants. Mais est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, assumer qu'il n'y ait pas de contraintes en droit international et que finalement il y ait un volontarisme qui est toujours prédominant, qui est toujours important, et qu'au final le droit international n'est que le produit de la volonté des États et donc finalement assumer de façon complètement normale que le droit international ne se fera qu'avec la volonté des États et pas autrement. Voilà. C'est pas tout à fait une question, c'est plus Merci, une affirmation. Monsieur le Président, oui, c'est un sujet de volumes entiers, le rôle de la volonté des États dans la production du droit international. Il faut quand même rappeler que les États sont assujettis aux produits de leur volonté, donc aux traités qu'ils ont passés. La Cour permanente de justice internationale déjà l'avait dit, la conclusion d'un traité, ce n'est pas contraire à la souveraineté des États, c'est au contraire une expression de leur souveraineté. Par conséquent, il y a d'abord les traités et pacta sunt servanda, donc la volonté de l'État joue initialement, bien entendu, par définition. En ce qui concerne la déclaration, c'est la volonté des États s'est exprimée lors de son adoption, et encore une fois, ça a été une adoption à l'unanimité. Madame Roosevelt en était d'ailleurs elle-même heureusement surprise, car elle a cru jusqu'au bout que les États du bloc socialiste voteraient contre le texte. Donc la volonté des États, elle s'exprime. Maintenant, le problème du respect de cette volonté, des traités, des déclarations, est un problème vieux comme le droit international, mais qui n'affecte pas la juridicité du droit international. Merci beaucoup. Je propose que Monsieur Rich, s'il le veut bien, entreprenne ses propos conclusifs de notre colloque. Monsieur le Président de Chambre, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi et pour l'Association française pour les Nations Unies, dont je suis le secrétaire général, d'avoir été invité à m'exprimer aujourd'hui devant la Cour de cassation dans ce colloque sur les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bernard Millet est notre président qui m'a demandé de saluer cet honorable cours et de lui présenter ses excuses, était en effet retenu par des obligations prises antérieurement. Mais je voudrais d'abord dire quelques mots de l'Association française pour les Nations Unies, qui a pris ce nom après la Seconde Guerre mondiale
et qui est en fait l'héritière de l'Association française pour la Société des Nations, créée le 10 novembre 1918 par Léon Bourgeois, sénateur, 12 fois ministre et président du Conseil sous la Troisième République. Léon Bourgeois en fut le premier président, inaugurant ainsi une lignée prestigieuse de présidents et vice-présidents, dans laquelle on retrouve entre autres les noms du grand universitaire Paul Appel, qui lui succéda, d'Émile Borel, ou encore, après la Seconde Guerre mondiale, de Joseph-Paul Boncour, ancien représentant de la France à la Société des Nations, en 1936, et délégué à la conférence de San Francisco, et plus récemment, de personnalités comme René-Jean Dupuis, Mario Bettati ou Stéphane Hessel. Comme la Cour de cassation, l'Association française pour les Nations unies se prépare à célébrer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sont prévues la remise d'un prix des droits de l'homme, d'un colloque dont le thème précis n'est pas encore défini, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme, et éventuellement la réalisation d'une brochure rassemblant les témoignages de personnes d'horizons différents sur la question des droits de l'homme. Je voudrais maintenant livrer, si vous le permettez, quelques réflexions sur les rapports entre droits de l'homme et diplomatie dans la suite de la présentation historique faite par M. Weizmann et de l'intervention de Mme Cécile Aptel sur les incidences internationales de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il ne s'agit évidemment pas de propos conclusifs, mais de considérations à la fois théoriques et pratiques tirées de mon expérience diplomatique. J'insisterai sur trois points. Premièrement, en même temps que le système des Nations unies dans ce domaine, dont le rôle est primordial, et de celui des ONG, la diplomatie a largement contribué et continue à le faire à la protection internationale des droits de l'homme, que ce soit au niveau des négociations internationales ou sur le terrain à travers notre réseau de missions diplomatiques. Il faut d'abord rappeler que c'est l'action diplomatique qui a permis, prolongeant ainsi la volonté des États occidentaux de négocier la Charte des Nations Unies, de même que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il en est de même de la création du Conseil de l'Europe et de la Convention européenne des droits de l'homme. Un autre pas décisif a été fait avec la Conférence de sécurité et de coopération en Europe et l'acte d'Helsinki en 1975, où les soviétiques ont accepté, au terme d'âpres négociations, de s'engager sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre la reconnaissance de l'inviolabilité des frontières en Europe. Un processus a ainsi été amorcé qui a eu des effets positifs, surtout à long terme. J'étais personnellement à Moscou entre 78 et 81, en qualité de chef des services culturels, scientifiques et techniques. Et il était à cette époque relativement possible de fréquenter les milieux culturels dissidents, même si c'était sous surveillance, ce qui aurait été absolument impossible quelques années auparavant. Au lieu de réprimer, les autorités soviétiques préféraient en outre expulser les personnes qu'elles considéraient comme gênantes, ce qui constituait là aussi un progrès. Mais il y avait des limites. Ainsi, il m'avait été impossible de communiquer par courrier avec l'académicien André Sakharov en résidence surveillée à Gorki. Le Quai d'Orsay m'avait demandé de lui faire remettre une lettre à travers l'Académie des sciences soviétiques, laquelle refusa de la lui remettre en me suggérant de la poster normalement, ce qui était inenvisageable faute d'adresse et en raison de la censure du courrier qui existait. L'acte d'Helsinki avait donc ouvert un chemin qui a permis de libéraliser ce pays de plus en plus, tout en restant néanmoins dans certaines limites. Cet épisode m'amène à dire un mot de l'action des postes diplomatiques sur le terrain. Ceux-ci ont à la fois
comme pour tous les secteurs dont ils ont la charge, une double mission, observation et action. Observer n'est cependant pas chose aisée, cela suppose d'aller sur le terrain, ce que les autorités locales n'aiment pas beaucoup et peuvent vous le reprocher, et une bonne coopération avec les ONG locales ou internationales qui ont souvent des renseignements plus complets. Agir l'est encore moins. J'ai en tête des exemples d'actions très courageuses où, pour sauver des vies, certains diplomates n'ont pas hésité à aller à la limite et parfois même plus loin que ce à quoi ils étaient autorisés. C'était mon premier point. Mon second point, l'action diplomatique en faveur des droits de l'homme se heurte cependant à deux difficultés en quelque sorte intrinsèques. D'abord, l'équilibre entre promotion des droits de l'homme d'une part et réalisme politique et économique de l'autre, la balance penchant parfois d'un côté et parfois de l'autre en fonction des orientations gouvernementales. La perception par certains pays ou certaines régions du globe que la défense des droits de l'homme, dont le concept trouve son origine dans les pays occidentaux, s'accompagne d'une volonté caractérisée d'ingérence au bénéfice de leurs intérêts géopolitiques et économiques. Et là, je rejoindrai ce que Mme Apten et M. De Goût ont dit tout à l'heure. Alors, l'action diplomatique sur le terrain est bien évidemment plus ou moins active en fonction des instructions qui sont adressées au poste. Or, les gouvernements tiennent compte de plusieurs paramètres dans la définition de leur politique étrangère et arbitrent ensuite parfois de manière favorable, parfois non, pour une politique de défense des droits de l'homme. Il y a les contraintes géopolitiques, les intérêts économiques. Que faire quand un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme est cependant essentiel pour l'équilibre géopolitique dans sa région? Que faire quand il est un client essentiel pour les industries et le commerce extérieur? Il s'agit là de questions plus ou moins légitimes selon les cas, mais aujourd'hui la nécessité de ménager l'opinion publique et les ONG dont les gouvernants tiennent le plus grand compte, introduit une certaine régulation dans cet arbitrage, toujours difficile. Ceci est la première difficulté intrinsèque dont je voulais vous parler. Il y a une deuxième difficulté, comme je le disais plus haut, de nombreux pays dans le monde, pour ne pas dire des continents entiers, considèrent que la promotion des droits de l'homme et de la démocratie est en fait un instrument de domination idéologique et économique aux mains des puissances occidentales et provoque parfois, il faut bien le reconnaître, des cataclysmes géopolitiques considérables. Cette perception, qui se double de la constatation que les droits de l'homme sont parfois mal pris en compte en interne par des pays qui veulent en assurer l'exportation, constitue un véritable problème pour la promotion des droits de l'homme dans le monde. Alors, troisième observation, troisième point, l'action en faveur des droits de l'homme est en outre rendue de plus en plus difficile pour trois raisons que nous appellerons exogènes. Cette action se heurte tout d'abord de plus en plus à une dégradation des valeurs démocratiques dans des pays qui font partie du monde occidental et qui se replient sur eux-mêmes. Cela a été constaté tout à l'heure. Elle se heurte ensuite à l'affirmation croissante dans le monde occidental de systèmes de valeurs qui insistent sur leur spécificité par rapport aux nôtres. Je pense certes à la montée de l'islamisme militant dans certains pays arabes, mais aussi à l'exaltation de valeurs russes ou asiatiques qui mettent en avant la prévalence des valeurs collectives sur celles individuelles, sur l'importance de la famille et le rôle de l'autorité. J'étais en poste aux États-Unis, plus précisément à Chicago, où j'exerçais les fonctions de consul général
entre 1988 et 1991. François Furet, professeur 6 mois par an à l'université, que je voyais souvent, m'a dit un jour qu'il avait été stupéfait d'entendre un professeur de cette université parler de la philosophie de Platon comme étant la philosophie de l'homme blanc. Il s'agissait là d'une manifestation de relativisme que nous constatons également dans la question de la démocratie et des droits de l'homme. Je vois enfin une troisième difficulté. Il s'agit de la dégradation, de la décomposition que nous pouvons constater dans certaines régions du monde où les défis de toutes sortes s'accumulent. État failli, terrorisme, crime organisé, dégradation environnementale, etc. Cela aussi a été signalé tout à l'heure, fragilisant par là même l'état de droit et ouvrant des chantiers autrement plus complexes à gérer. En conclusion, nous avons assisté au cours des 50 dernières années à un développement spectaculaire de la promotion des droits de l'homme au niveau mondial. Cette question est devenue un objet presque ordinaire des débats internationaux. Les résolutions prises en Assemblée générale sur ce sujet ont été relativement nombreuses et de portée dynamique. De réelles avancées ont eu lieu, mais il y a eu aussi des reculs. Aujourd'hui, la défense et a fortiori la promotion des droits de l'homme, rendus plus difficiles, constituent de plus en plus un enjeu primordial au regard des considérations que je me suis permis de développer aujourd'hui et que je vous remercie d'avoir bien voulu écouter. Voilà, merci. Merci beaucoup aux intervenants. Merci à chacun et notamment à vous tous dans cette salle. Ce colloque touche à sa fin et nous vous disons à bientôt.